Le financier Semple meurt en Italie. Un grand citoyen se tue dans un accident d'auto. Le testament du banquier va être ouvert. On ne connaît pas encore l'héritier de Semple. Cornio, vaudrait mieux que tu changes de ton. Si c'est pas les avocats qui savent qui va hériter, qui le sait? Tu te fous de moi, je t'ai déjà rendu à cette service, qu'est-ce que t'en dis? Qui va toucher le gros magot? Je t'assure que tu te trompes de gars. Mac, je m'occupe que de publicité. C'est un journaliste? Oui, il veut le nom de celui qui hérite. Bon, laisse tomber. Non, navré, Mac. Non, je sais rien, Mac. Non, mais c'est sûr, mais je suis pas son avocat. Laisse tomber. Monsieur Sédar, on ne sait tout depuis deux jours. Dites donc, Sédar, il va falloir faire un communiqué à la presse. Ça m'intéresse guère aux gens de la presse. Enfin, c'est l'affaire du siècle, non? Quelque part, sans qu'il le sache, il y a un gars qui se balade avec 50 millions de dollars oui, en banque. Oui, je le sais, mon vrai souci, c'est de trouver cet heureux homme. Après quoi, à toi de jouer pour tenir la presse loin du bonhomme. C'est d'accord, ça marchera aussi longtemps qu'on me paiera chaque semaine. Nous l'avons repéré, monsieur Sédar, nous savons où il est. Oui, John, on le sait. Longfellow Deeds, 28 ans, célibataire, il vit à Mandrake Falls, Vermont. Quelle histoire. Mieux vaudrait qu'appeler tout de suite. Il n'en est pas question, je m'y rendrai en personne. Vous allez venir avec moi, toi Anderson et toi aussi Cobb. Oui. Pouvez-vous réserver 3 places dans le train qui va à Mandrake Falls, Vermont? Où ça? Mandrake Falls. M-A-N. Bienvenue à Mandrake Falls. Dans un paysage ravissant, une vie pleine d'agréments. Oh, dis donc. Bienvenue à Mandrake Falls. C'est très mignon. Vous êtes sûr que c'est ici qu'il habite? Certain, monsieur Sédar, c'est dans cette ville qu'il habite. Je voudrais pas être venu sans raison sérieuse, il faut la finir, cette chasse. Oui, monsieur, chaque détail est vérifié, c'est ici qu'il habite. Oh, regardez ce que je vois, un indigène. Allons lui demander. Bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Eh ben, dis donc, voilà un excellent départ, au moins on a brisé la glace. Est-ce que par hasard vous connaîtriez quelqu'un qui s'appelle Longfellow Deeds? Deeds? Oui. Ah oui, monsieur, je le connais bien. On le connaît tous, Deeds. Bon, alors voilà. Dites donc, il faut être rapide avec lui. Est-ce qu'il serait possible de le rencontrer? C'est très important. Et qui donc? Deeds, je viens de vous en parler à l'instant. Oui, oui, Deeds. Ah, bon garçon, très démocratique. C'est vraiment un type très facile. Il cause à tout le monde. Ah, je crois qu'il vaut mieux tenter de s'informer ailleurs. Mais il n'y a pas de raison. Attendez qu'il se repointe un peu ici. Vous allez voir, je ne le lâcherai plus et je vous promets qu'il répondra à vos questions. Bonjour les amis. Vous rappelez de nous, les trois gars que vous venez de voir il y a une minute à peine? Ah oui, sans aucun doute. J'oublie aucun visage. Écoute, papa. Nous nous sommes déplacés depuis New York pour trouver un garçon dont le nom est Deeds. C'est important, très très important. Mais à quoi ça sert de crier comme ça? J'y répondrai à vos questions. Dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux te souvenir rien qu'un tout petit moment de ce que je te demande? Où est-ce qu'il habite? Mais qui? Longfellow Deeds, où est-ce qu'il se trouve? Ah, vous voulez le savoir, mais pourquoi vous avez tourné autour du pot? Fallait poser la question tout de suite, il aurait fallu que ces autres gars sachent de quoi ils parlent. C'est bien, je vais vous y conduire, c'est pas loin. Il n'avait qu'à l'expliquer ce qu'il voulait, ça aurait été plus simple. Oh, entrez, entrez, messieurs, s'il Monsieur vous plaît. Monsieur Deeds est là? Non, il est parti au parc, en vue de la tombola, pour l'achat d'une pompe à incendie. Bill, tu devais le savoir, toi, qu'il était au parc. Bien sûr que j'ignorais pas, mais c'est la maison qui voulait voir qu'ils ont dit. Faudrait qu'on puisse deviner ce qu'ils ont dans le crâne. Entrez, messieurs, entrez. Est-ce que vous voulez un peu de thé? Non, non, merci. Vous êtes bien sûr que vous ne voulez pas que je vous serve de la limonade ou autre non, chose? Non, non, c'est très gentil à vous, merci. Vous êtes de sa famille? Non, je ne suis que la gouvernante. Ah bien, nous voudrions connaître un peu ses habitudes. Comment est-ce qu'il gagne sa vie? Lui et Jim Mason ont installé une fabrique. Ah. Mais son argent, il ne le gagne pas comme ça. Et c'est minime si on le compare aux poésies. Il écrit de la poésie? Oh mon Dieu, bien sûr. C'est quelqu'un de célèbre. L'auteur de jolis vers sur de belles cartes qu'on envoie aux fêtes, mariages, naissances, anniversaires. Asseyez-vous donc. Tenez, en voici une. Elle lui a rapporté 20 dollars à elle seule. Quand tu ne sais vers quoi te tourner et que tu sens le doute t'accabler, ne t'abandonne pas à l'hésitation vaine, pense à ta mère d'une âme sereine, elle t'aime. Elle t'attend, ta maman, elle t'attend. Vous ne trouvez pas ça bien? Ce sont de jolis sentiments. Ah oui. Le voilà qui arrive. Je suggère de ne pas l'avertir trop brusquement, il serait capable de s'effondrer sous le choc. Ils vous attendent depuis un bon moment. Qui sont-ils? J'en sais rien. Monsieur Longfellow Deeds? Oui. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Je me nomme Sédar. Je viens de New York, cabinet Sédar, Sédar, Sédar et Buddington. Sédar, Sédar, Sédar et Buddington.
Buddington doit se sentir quelquefois un peu seul, non? Monsieur Cornelius Cobb, monsieur Anderson. Ravi de vous voir. Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, prendre des sièges et vous asseoir. Merci. Merci. Cette embouchure, il m'a fallu l'attendre longtemps. Et les gamins me les fauchent tout le temps, ils les transforment en sarbacanes. En quoi puis-je vous être utile? Est-ce que ces messieurs vont rester manger? Je voudrais vous poser quelques questions. Très bien. Monsieur Deeds, êtes-vous le fils du docteur Joseph et de Mary Deeds? Oui. Vos parents sont en vie? Ah non. Bien, monsieur Deeds, est-ce que le nom de Martin Semple vous est familier? Le connaissez-vous? Un peu, juste un oncle à moi, je crois. Je n'ai pas dû le voir, mais ma mère, elle, s'appelait Semple, que je sache. Il vient de mourir. Oui, il vient d'être tué d'une mort accidentelle en Italie. C'est vrai? Oui. Voilà une triste mort. S'il y a quelque chose que je puisse faire... Je vous apporte des nouvelles très intéressantes. Votre oncle, en mourant, a laissé une fortune importante. Elle est tout entière à vous, monsieur Deeds. Déduction faite des taxes, l'estimation des biens vous revenant approche les 50 millions de dollars. Qu'est-ce que je prépare? Est-ce que ces messieurs vont rester, oui ou non? Bien sûr qu'ils vont rester. Vous goûterez son flan à l'orange, c'est délicieux, vous savez, avec une grosse couche de crème. Nous ne les laisserons pas aller à l'hôtel. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit, monsieur Deeds? L'énorme patrimoine de votre oncle vous revient. 50 millions de dollars. Ah oui, je vous ai entendu. 50 millions, ça en fait de l'argent. Ah, je me contenterai d'une petite pincée. Oui, ça a l'air, quelle drôle d'idée de me léguer cette fortune à moi tout ça, je ne sais qu'en faire. Monsieur Cobb lui écrivait des papiers pour les journaux quand votre oncle l'a pris et en a fait une sorte de garde-fou. Garde-fou? Oui, enfin dites plutôt un garde-porte. Vous savez, les millionnaires sont importunés par ceux qui les envient, il faut savoir les protéger. Ah, il faut bien les connaître, les journalistes, hein, qu'on recherche la publicité ou qu'on veuille l'éviter. Cédar, Cédar, Cédar et Buddington. Je n'arrive pas à trouver une rime à Buddington. Pour refaire? Eh bien, à chaque fois que je rencontre un nom bizarre, il faut que je me creuse et que je lui trouve une rime, pas vous? Non. J'en ai une pour Cobb. Ah oui? Il était une fois un homme du nom de Cobb, surveillant mon oncle avec grand sérieux, survint un accident d'auto et meurt le vieux. Dès lors, pauvre Cobb, son emploi se dérobe. Ça ressemble fort à une suppression d'emploi. Hein? Non, j'ai déjà été saqué de diverses manières, mais jamais encore en vers. Oh, il ne s'agit pas de ça. J'aurais souvent besoin de votre aide. Ah, ah, si c'est de la poésie, c'est différent, alors. Êtes-vous marié, monsieur Deeds? Qui, moi? Non. Non, il est bien trop tatillon. Ce qui veut jamais une Laura. Il y a des tas de jolies filles ici, à Mandrake Falls, qui ont envie de se marier. Ne prêtez pas attention à ce qu'elle dit. Il se gargarise de folles intentions, comme de sauver une dame dans la détresse. Allons, ne vous mêlez pas de ça. Ouais, sauver une dame en détresse, hein. Enfin, je suppose que nous avons tous eu cet espoir dans notre jeunesse. Il serait nécessaire de vous préparer à partir, hein, faut vous y mettre. À quoi? Vous venez à New York avec nous. Quand ça? Cet après-midi à 4 heures. Je doute que nous ayons une seule valise. Non, on peut peut-être en emprunter à Madame Simpson. Elle a visité les chutes du Niagara l'an dernier. Je me sens assez nerveux, vous savez que je n'ai jamais quitté Mandrake Falls de ma vie. Mais j'aimerais aller voir la tombe de Grant. Vous en aurez l'occasion. Nous allons faire un tour en ville en attendant le 34 heures. Félicitations, monsieur Deeds. Vous êtes l'un des hommes les plus riches du pays. Allez, on se retrouve à la gare. Au revoir, merci. On s'en va à la gare. À tout à l'heure. Vous l'avez entendu? Il a bien dit 50 millions de dollars. Ça ne me concerne pas. Restez assis et mangez un peu. Vous n'avez touché à rien. Je sais pas quoi faire, mais j'ai cherché partout, j'étais jusque chez lui verrouillé. C'est bien possible qu'il ait changé d'avis. C'est vrai qu'il n'y tenait pas tellement à ce départ. Et voilà le train. Reculez, s'il vous plaît. Là. Ouais. Regardez le tuba, c'est lui. Et là. Là, je pourrais dire que j'aurais tout vu. Ah.
revoir, monsieur Meredith. Au revoir, Jim. Au revoir à tous. Mon Dieu, j'en avais des amis. Vous avez soif? Non, merci. Vous voulez un cigare? Non, merci. Allons, allons, ne soyez pas inquiets. Évidemment, une telle fortune à gérer entraîne de grandes responsabilités, mais vous pouvez compter sur mon aide. Allez, vous en faites pas. Laissez-moi faire. Oh, c'est autre chose qui m'inquiète. C'est quoi? Je me demande s'ils vont trouver un autre tuba pour jouer à ma place. Bonjour, John. Ça a marché? J'étais à la pêche. Bonjour, Célia. Bonjour, monsieur Cédard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Où sont-ils? Ils vous attendent dans la pièce à côté. Bonjour, monsieur Cédard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Cédard. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, bonjour. John, à quoi il ressemble? Aucune raison que nous soyons inquiets. C'est un naïf, un gamin. Et John... Fermez la porte. Passez-moi, madame Cédard, au téléphone. Raconte, John, c'était comment? Un coup de maître d'avoir fait le voyage, c'est magnifique. John, as-tu eu la procuration? Non, Bennington, je n'ai pas la procuration, mais je l'aurai, c'est sûr. Oh. Je lui ai demandé à quoi il voulait utiliser sa fortune. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Je me le demande. Il m'a dit qu'il songeait à en faire don. En faire don? Est-il possible qu'il soit fou? John, tu as réussi un grand coup. John, si je peux me permettre de le dire, les choses... Je sais, Bennington, il est essentiel qu'on épluche aucun de nos livres de comptes. Tu me l'as dit et redit je ne sais combien de fois. Et s'il fallait les remettre à d'autres gens, ça ne s'est pas produit jusqu'à présent. Plus d'un million de dollars, bon sang. Où est-ce que nous pourrions les trouver? Cesse donc de t'inquiéter. J'ai obtenu de ce bon Semple qu'il nous confie ses intérêts. Et j'ai reçu sa procuration générale. Mais tout ira bien, rien ne changera. Alors soyez tranquille, nous ne montrerons ces livres à personne. Un crétin! Tu n'es qu'un crétin! Ton oncle était fou de laisser tout son argent à ce gueux. Mais t'étais bien de sa famille, comme l'autre! Alors pourquoi pas toi? J'ai dit pourquoi pas toi? Cesse de hurler! J'y peux rien si mon oncle ne m'aimait pas. T'as rien fait pour être aimable. 10 ans, au moins 10 ans à attendre la mort du vieux Schnock. C'était sûr qu'on aurait plus de soucis à se faire. Ouais, plus de soucis à se faire. N'y a rien à faire, c'est trop tard, alors cesse de m'ennuyer. Eh ben, c'est pas la dernière fois que je t'ennuie. Je ne cesserai pas de t'ennuyer jusqu'à ce que t'aies obtenu ce qui t'appartient. Du neuf. Ce qu'il faut m'apporter, c'est du neuf. Quand il se trouve qu'un bouseux tel que lui décroche cette immense fortune, ça vaut de la copie. Mais il faudrait des trucs personnels, le prendre sous divers angles. À quoi est-ce qu'il pense? Comment se sent-il en millionnaire? A-t-il l'intention de se marier? Est-il content à New York? Est-ce qu'il parle ouste? Ça fait 3 jours qu'il est arrivé. Vos têtes de bois n'ont rien trouvé. Un nouveau venu en aurait découvert plus que vous. On n'a même pas pu le voir. Est-ce que je parle assez clair? Vous le connaissez, votre métier? Vous connaissez Cobb? Il le quitte pas, il le tient sous pied. Cobb, tâchez donc de l'oublier un peu, Cobb. Usez de vos cervelles pour avoir des idées. N'attendez pas qu'on vous les souffle. Imbécile que vous êtes tous. Allez-vous-en vite parce que je vais vous dire ce que je pense de vous. Allez, sortez! Rien entendre. Qu'est-ce que c'est? Non, je disais qu'il y avait une araignée au plafond. Vous aussi. Je comptais sur vos informations, mais vous êtes revenu bredouille, comme les autres. Regardez, j'ai réussi. Mais qu'est-ce qui vous arrive, babe? Je ne comprends pas que vous ne couriez pas partout et vous permettiez à Cobb de faire ce qu'il veut. Oh, mais il est loin de faire ce qu'il veut. Écoutez, babe, trouvez quelque chose sur ce gars et vous aurez... Disons, un mois de vacances? Frais payés. Frais payés? Oui, oui. Je veux 4 colonnes en première page demain. Je vous reconnais enfin, babe. Je vous garderai la une entièrement. Qu'allez-vous faire? Déjeuner. On ne m'avait encore jamais fait un costume sur mesure. Je peux vous faire une suggestion? Non, pour question de vous mettre l'épée dans les reins. Mais si vous signez cette procuration, nous nous chargerions de tout. Ça vous éviterait bien des tracasseries. Vous savez, tous les requins de la ville vont s'efforcer de vous vendre leur camelote. Oh oui, j'en ai vu plein, des quémandaires de tous les genres. Surprenante, cette tribu. Salopards, politiciens, banquiers, quel drôle de mélange. Je n'ai pas eu une minute à moi, ni même le temps d'aller voir la tombe de Grant. Vous savez, votre oncle ne s'embarrassait pas de tout ça, lui. Il s'en rapportait à nous. Hein. Il voyageait beaucoup, il aimait se distraire dans la vie. Vous devriez en faire autant, monsieur Deeds. Puisque vous tenez à être mon avocat,
Vous vous chargeriez de mes placements et tout? Ah oui, ça, évidemment, mais ce ne... En dehors de vos honoraires fixes, combien cela me coûterait dans ce cas? Ah, mais rien, tout sera notre charge. Vous aurez du travail en excédent. Bien sûr, mais c'est le genre de service que le cabinet Cédar, Cédar, Cédar et Buddington peut offrir à ses clients. Buddington. Curieux que je n'ai pu trouver une rime à Buddington. Les administrateurs de l'opéra attendent toujours dans la salle de réunion. Ils donnent l'impression de s'impatienter. C'est vrai, je les avais oubliés, cela. Que croyez-vous qu'ils veuillent? Votre oncle présidait leur conseil d'administration, ils espèrent que vous lui succéderez. Je vais dire à ces broyards de ne pas s'énerver, que vous allez bientôt les voir. Merci. Oh, est-ce que vous avez fait partir le télégramme pour Jim Mason? Jim Mason? Ah ouais, ouais, non. Enfin, je dois l'avoir, je l'ai préparé pour vous, le voici. Arthur, employé dans notre fabrique depuis toujours, stop, inconcevable de le saquer. Longfellow. Parfait, expédiez-le tout de suite, je ne veux pas qu'on renvoie Arthur. Mais c'est sûr, qui voudrait qu'on renvoie Arthur? C'est le dernier bébé que mon père ait mis au monde, Arthur. Je crois que vous devriez sérieusement y réfléchir, monsieur Deeds. Hein? Je parle de la procuration. Ah oui, oui, je vois, je vais y réfléchir sérieusement. J'ai reçu un gars dénommé Wilson il n'y a pas longtemps, il voulait se charger de mes placements pour rien du tout. C'est bizarre, pourquoi tous ces gens me proposent de travailler gratuitement, ce n'est pas naturel. Il vaudrait mieux que j'aie le temps d'y penser un peu plus. Ça vous va très bien. Je suis étonné, c'est fou le travail qu'il faut pour faire un vêtement chaud. Oui, monsieur. Monsieur Hiller désire voir, monsieur. Vous avez dit Hiller? Oui, ne laissez pas entrer. Pourquoi? Qui est-ce? Un avocat, il représente une femme qui réclame une part de l'héritage, qu'il aille voir mes services. Mais s'il est venu réclamer, j'aimerais... Oui, j'aimerais qu'il entre, faites-le venir. Non, il est capable de vous créer quantité de problèmes, monsieur Deeds. En quoi peut-il me créer des problèmes? Je n'ai rien fait qui lui nuise. Ne devions-nous pas discuter de cette affaire à mon bureau, Hiller? Ça me fatigue que vous remettiez toujours l'examen de l'affaire. Nous perdons patience, monsieur Cédar. Monsieur Deeds, je représente Madame Semple. Madame Semple? Celle dont votre oncle partageait la vie et la droit légalement à l'héritage. Et qu'on laisse la cour décider de quoi elle doit... Vous seriez tort de trop compter sur la cour de justice, et vous le savez. Je vous en fais juge, monsieur Deeds. Croyez-vous qu'un tribunal pourrait n'être pas favorable à une femme qui a consacré les belles années de sa vie à un vieil homme tel que votre oncle? Et comment avez-vous dit qu'il l'a traité? Comme son épouse. Et chose importante, il y a un fils. Un fils? Mon oncle? Oui, monsieur. Mais c'est terrible, cette pauvre femme, il faudrait la secourir immédiatement. Je me réjouis de voir que vous êtes un homme raisonnable, monsieur Deeds. Si elle vivait avec lui, il est juste qu'elle dispose de tout ce qu'il avait, je ne conserverais pas un centime. Faites des promesses complètement. Descendez vite, sinon tout l'opéra en cœur va se mettre à beugler le toréador de Bizet. Ah, je ne peux pas les faire attendre encore longtemps, ils sont importants pour ça. Mais tenez, monsieur, voici, monsieur. Je ne peux pas descendre dans cette tenue. Voici, monsieur. Je souhaiterais que vous veniez avec moi. Cobb, je ne connais pas ces gens. Qu'allez-vous faire, monsieur Deeds? Ah oui, excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Je suis débordé. Est-ce toujours dans cette maison que se réunissent ces messieurs? C'est curieux, pourquoi ça? Où est le fromage, les souris se rassemblent. D'après ce qu'on m'a laissé entendre, ce jeune homme serait du genre godiche. Je crois n'avoir aucune difficulté à le convaincre de renflouer la caisse. Après tout, ça ne représente que 185 000 dollars. Une excellente idée. Vous savez, c'est vraiment une très grande chance que ce jeune homme soit tellement amateur de musique. Il jouait du tuba dans la fanfare. Ah, voilà notre homme. Bien. Nous avons, messieurs, le triste devoir de procéder d'abord à l'élection d'un nouveau président. Dans un sentiment de gratitude pour l'ami fidèle que l'opéra a perdu, ce cher monsieur Semple, je trouve qu'il faudrait faire appel à son neveu, monsieur Longfellow Deeds, dans l'espoir qu'il acceptera ce poste. En conséquence, c'est pour lui que je vote. Moi aussi. Qui est en sa faveur? Moi. Moi. Adopté. Mes félicitations, monsieur Deeds. Président? Mais oui, vous l'êtes, c'était une belle élection. Je suis le président. Ah ouais, et bon courage. Monsieur Deeds, prenez place au fauteuil présidentiel. Maintenant, l'ordre du jour prévoit la lecture du dernier compte-rendu de séance. Je propose qu'on s'en dispense. D'accord. Pas d'objection? Non. Je crois que nous pouvons passer à la suite. C'est au tour du trésorier de donner lecture de son rapport. Pouvons-nous passer à la suite? D'accord. Pas d'objection? Non. Parfait. Nous allons mettre tout de suite au voie la motion de la journée. Quel est le rôle du président? Mais le... Président préside des assemblées. C'est bien ce que je croyais. Et si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on s'intéresse au trésorier. Je voudrais entendre son rapport. Nous prévoyons un déficit de l'ordre de 185 000 dollars pour l'exercice en cours. Un déficit? Vos pertes atteignent une somme pareille? Vous savez, monsieur Deeds, notre opéra est une affaire non commerciale. Oui, ça veut dire quoi, au juste? Que c'est une institution artistique. Cet opéra, nous en sommes propriétaires? Mais oui. Et qu'est-ce qu'on y joue? Des opéras, bien sûr. Mais vous vendez des billets, vous faites des recettes. Bien sûr. Et ça ne suffit pas? Il est impossible qu'un opéra couvre ses frais.
Oh, sans doute parce que nous nous trompons dans notre choix. Nous tromper? Comment se tromper dans le choix d'un spectacle? L'opéra, c'est l'opéra. Je le crois aussi, mais moi, personnellement, je ne conserverai pas la responsabilité d'une affaire qui a tant perdu. Ça n'aurait pas de bon sens. Par curiosité, d'où vont venir les 185 000 dollars qui vous manquent? Eh bien, nous avions espéré les obtenir de vous. Moi? Mais naturellement. Je vous prie de m'excuser, messieurs, il n'y a rien de naturel dans tout cela. Hé, hey, les pompiers! Oh, ça! Qu'est-ce qui lui prend? C'est vraiment superbe! Nous aurons une voiture comme ça à Montreux Falls très bientôt avec une sirène. Où en étions-nous? Il est sûr, monsieur Dietz, que l'opéra n'a rien de commun avec une affaire commerciale. Pourquoi? Parce qu'il n'est en rien commercial, voilà tout. Vous pouvez être de cet avis, mais c'est certainement commercial pour moi si j'ai la charge de boucher un trou de l'ordre de 185 000 dollars. Si vous avez tellement perdu, ça ne marche pas comme il faudrait. Je pense que vos charges sont trop lourdes et je pense que vous vendez mal la marchandise et je pense un tas de choses, est-ce que je sais. En conclusion, j'espère utiliser cet argent à faire le bien, donc j'ai l'intention de le placer dans des affaires dont j'ai le contrôle. Telle est ma décision, n'insistez pas messieurs, c'est terminé. Et grand merci d'avoir fait de moi votre président. Ces messieurs trouveront le flacon de sel dans le placard de droite. Navré de vous avoir fait attendre. Ils sont invraisemblables, ces gens. Ils voulaient me faire boucher un trou de 185 000 dollars. Qu'allez-vous faire, monsieur Dietz? Ma réponse a été non, naturellement. Non, je veux dire pour ma cliente. Ah, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour cette pauvre femme. Frac, monsieur, ce soir. Frac? Mais c'est un vêtement de singe. Vous voulez que tout le monde se moque de moi? Jamais je n'ai rien vu de si grotesque de ma vie. Au revoir et merci. Au revoir. Vous me voyez vêtu comme un singe? Bien sûr, nous ne voulons pas nous montrer gourmands, monsieur Dietz. Hein? Je dis que nous ne voulons pas nous montrer gourmands. Ah, je vois. Qu'est-ce que vous faites à genoux, vous? Je fais mon service, monsieur. Allons, debout, je n'ai besoin de personne pour m'aider quand je m'habille. Allons, debout. Hein? Et puis quoi encore? M'aider quand je m'habille. Madame Semple a le droit, en vertu de la loi, de toucher un terme d'héritage. Et tâchez de ne jamais vous remettre à genoux, c'est compris? Bien, monsieur. Excusez-moi, vous avez dit... Madame Semple aurait droit à un tiers de l'héritage. Un tiers, cela représente 16 millions de dollars, c'est ça? Oui, mais nous ne demandons pas cette somme-là. Je suis sûr qu'elle serait satisfaite si on lui accordait 3 millions. Si vous recherchez un arrangement et l'heure, discutez avec moi hors de cette pièce. C'est Dark, n'en ferait rien. Vous avez raison, cela ne vous servirait à rien. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est prendre la porte. Oh, pourriez le payer cher, monsieur Dietz? Je ne le crois pas. Vous avez une tête de faucheton. Et puis, ça me semble assez suspect, une personne qui se contente de 3 millions de dollars quand elle a droit à 16 millions. Cela me surprend que M. Cédar, qui a la réputation d'être un homme habile, ne l'ait pas vu tout de suite. Attendez, une minute, mon gars! Il y a une chose agréable quand on est riche, un coup de sonnette et tout s'arrange. Ce que je vais demander, M. Hiller, à mon domestique, c'est de vous reconduire pour vous montrer la sortie. Vous croyez astucieux, ça ne vous mènera à rien, Dietz! Nous avons des lettres! Reconduisez M. Hiller à la grande porte. Oui, monsieur. Écoutez, il n'y a aucune femme, il n'y a aucune lettre, et je crois que vous êtes un escroc aussi, prenez bien garde à vous. Je ne peux pas me retenir plus longtemps. L'agneau qui mord le loup. Magnifique. Ce n'est que du bon sens. Ah, permettez-moi également de vous féliciter, monsieur Dietz. Bientôt, votre avocat n'aura plus rien à faire d'important. Vous n'êtes pas encore mon avocat. Je dois contrôler certains détails d'abord. Apportez-moi toutes les pièces comptables. Je souhaiterais y jeter un coup d'œil. Ah, bien sûr, d'accord, ce sera fait, oui. Mais vous savez, monsieur Dietz, ces choses-là, c'est de la routine. Si elles vous semblent trop ennuyeuses, faites appel à moi. Bon, eh bien, je me retire. Au revoir, monsieur Dietz. Cette poignée de main est visqueuse. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous auriez envie d'une sorte de divertissement? Divertissement? Votre oncle avait un faible pour les brunes de forte stature. Quel est votre goût, vous? Forte ou mince? Blonde ou brune? Grande ou petite? Brutale ou sentimentale? Vous voulez parler de quoi? Des femmes? Vous savez ce que c'est, quand même? Oh. Choisissez votre poison, je vous le fournirai. Eh bien, une autre fois, Cobb, une autre fois. D'accord, c'est vous le patron. Si jamais ça vous démange, appelez. Je serai pas loin. Au revoir. Il parle des femmes comme d'un vulgaire bétail. Chaque homme, monsieur, c'est ce qui l'attire. Dites-moi, Walter, sont-elles exactes les histoires que j'apprends sur mon oncle? Monsieur,
Des dames, il en venait parfois une vingtaine en même temps dans cette maison. Une vingtaine? Qu'est-ce qu'il en faisait? Je n'en sais rien, monsieur. Je regrette de n'avoir pu le découvrir. Vous sortez? Mais oui, est-ce interdit? Non, mais vous devez pas le faire sans nous avertir. Qui êtes-vous? Mais vous gardez du corps. Ah oui. Oui, monsieur Cobb veut qu'on soit sur vos talons du matin au soir. Écoutez, vous remercierez monsieur Cobb, mais je n'ai besoin de personne sur mes talons du matin au soir. Non, vrai, monsieur, les ordres sont les ordres. Ah. Mais oui, et nous devons vous garder dès le matin et vous mettre au lit le soir. Inutile d'être inquiet. Qui que vous voyez, nous ne voyons rien. On va bien s'amuser. Ça déplaît pas toujours. Voulez-vous faire une chose pour moi avant que nous ne sortions? Sûr. Rentre, ce pétard! À votre service! Il y a un coffre dans cette pièce. Voulez-vous me l'amener, s'il vous plaît? Certainement. Avec plaisir. Nous sommes vos gardes du corps! Vous ne devez pas! Vous ne devez pas, monsieur! Le voici. C'est notre homme. C'est qui? Préparez vos appareils et suivez-moi. Et on voudrait être dans le coup. T'en fais pas, suivez-moi et rapportez un tas de clichés. Je suppose qu'elle changera jamais, cette fille. Veux-tu que je te dise, elle est folle. Ouais. Ça ne va pas? Je suis navrée. Est-ce que je peux... Non, merci, ça va mieux déjà. C'est dans cette maison que j'habite, et si vous voulez... Oh non, vraiment, ça vous gênerait. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai sans doute un peu trop marché. Toute la journée à chercher du travail. J'espère en trouver bientôt, peut-être demain. Vous avez été très gentil. Je vous remercie infiniment. Taxi! Eh, allez, vas-y, stupide! Fonce et rattrape le taxi qu'ils ont pris, veux-tu? Suis-les, et de près surtout! Dépêche-toi! Les lâche pas! Tullio, le restaurant des poètes. Alors, en meilleure forme? Oh, tout à fait d'aplomb. Monsieur Deeds, je vous suis vraiment reconnaissante. Racontez-moi un peu plus à votre sujet. Mais je crois vous avoir dit presque tout ce qu'il y avait à dire. Ma famille vit dans une petite ville près d'Hartford. Je me suis retrouvée seule cherchant vainement du travail. Oh, pas de raison de juger ça très brillant.
Oh, c'était si gentil. Merci. Vous êtes une demoiselle en détresse, n'est-ce pas? Une quoi? Non, rien. Garçon, vous n'avez personne à me montrer? Non, personne d'important. Pensez à me prévenir, n'est-ce pas? J'y compte. Mm-hmm. Je suis écrivain, moi, vous le savez. Oui. Je fais de la poésie. Mm-hmm. Vous avez vu beaucoup de choses très excitantes depuis votre arrivée. Tous ces banquiers, ces hommes d'affaires, ces gens du beau monde. Ça ne vous a pas amusé? Non. Jusqu'à notre rencontre, je n'ai eu aucun plaisir. C'est une telle joie d'être avec vous. C'est ma veine de vous avoir trouvé sur le seuil devant chez moi. Brookfield vient de s'asseoir. Qui? Le poète? Où ça? Cette table ronde là-bas, celui qui a l'air d'un mouton. Tu sais, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on a... Là, c'est Brookfield, le poète. Oh, c'est lui? Tu as lu le dernier bouquin de Jones? Il ne vaut pas grand-chose. Pardon. Longfellow Deeds, celui qui vient d'hériter d'une immense fortune, voudrait se joindre à vous. Ah oui, on m'en a parlé. Il fait de la poésie sur carte postale. Invitons-le, on a rarement l'occasion de s'amuser ici. Je trouve que ça devient sinistre. Ça n'a jamais été très drôle. Je vous l'amène. Bien. Monsieur Hennaberry, Monsieur Moreau, Bill... Voici M. Deeds et sa fiancée de Mandrake Falls. C'est vraiment gentil de nous accueillir de manière aussi cordiale. Chez moi, nous n'avons guère l'occasion de voir des hommes célèbres. Garçon, apportez des verres. Vous permettez, je vous sers. Non, je ne veux rien, merci, je ne bois pas. Possible, tous les poètes boivent. Dites-nous, M. Deeds, comment faites-vous pour écrire vos poèmes? Les gens de plume s'intéressent aux secrets de leurs collègues, leurs méthodes. Oui, attendez-vous que l'inspiration vienne, ou est-ce que ça jaillit d'un coup? Ma foi, je... Moreau, lui, à l'instar d'une fontaine, coule sans s'interrompre. Absolument. Ceux qui publient mes œuvres s'en sont beaucoup plaints autrefois. Mais aucun lecteur ne s'en plaint, Monsieur Moreau. Merci, je vous remercie. Et comment faites-vous, Monsieur Deeds? Moi, je... On me commande ce qu'on veut, ceux pour qui je travaille n'ont qu'à me le faire savoir, et ça se déclenche et j'écris. Mais vous êtes un vrai génie. Oui, mais employez-vous une méthode caractéristique pour aider la création? Eh bien... Je joue du tuba. Moi, je ne peux pas dire que l'harmonica en 40 ans m'ait aidé le moins du monde. Vous devez en avoir dans votre poche, je suppose, Monsieur Deeds. Quoi, un tuba? Non, une petite carte postale avec un de vos poèmes dessus. Ah non. Ce n'est pas croyable que vous n'en ayez pas une seule quand vous sortez. Non, c'est dommage. J'aurais aimé avoir votre autographe sur l'une d'elles. Écoutez-moi, les amis. Peut-être M. Deeds pourrait-il nous en réciter une? Oui. Ah, voilà une excellente idée. Rien ne vaut un poète récitant une de ses œuvres. Que diriez-vous d'un poème pour la fête des mères, M. Deeds? Excellent. Non, choisissez-en un qui élève les cœurs des jeunes Américains. Absolument. Ah, oui, c'est ça. Je crois que je viens de comprendre. En m'invitant, vous aviez l'intention de vous amuser de moi. C'est ridicule, voyons. Voilà qui prend le moreau dedans. Oui, mais après, ça ne vous plaît pas? C'est facile de se moquer de n'importe qui sans réfléchir qu'on peut lui faire du mal. Je crois que vos poèmes sont beaux, Monsieur Brookfield, mais je suis déçu par votre attitude. Je sais que je peux vous sembler stupide, mais si vous veniez à Mandrake Falls, c'est vous qui seriez peut-être stupide. Seulement personne ne rirait de vous, ni ne vous rendrait ridicule, parce que ce ne sont pas des manières. Je veux bien penser que c'est comique d'écrire des poèmes pour carte postale, mais voilà, les miens obtiennent du succès. En tout cas, c'est le mieux que je sache faire. Vous allez nous excuser, mais il faut qu'on s'en aille. Ce soir, j'ai découvert que tous les hommes célèbres ne sont pas de grands hommes. Quelle bouche de pique! Une seconde, encore un mot. S'il n'y avait pas Miss Dawson ce soir avec moi, je vous aurais très certainement giflé. Mais ne vous gênez pas! Dans ce cas, je vais m'offrir ce plaisir. Ah! Eureka! Non, laissez-moi lui parler. Il semblerait que vous m'ayez oublié dans la distribution. Alors là, vous cognez dur, voulez-vous? Un seul coup de la cible, cognez fort. Ça suffit, j'ai retrouvé mon calme. À l'instant, la différence qu'il y a entre eux et moi, c'est que je sais quand je me conduis en goujat. Dans une boutique voisine, on en vend de vos cartes et j'en mangerai un paquet. Creux,
cru. Ouh, quel magnifique dégonflage de baudruche. Merci, grâce à vous, je me sens 10 années de moins vieux, frère. Un poète au direct du droit et crochet de gauche. Délicieuse, c'est délicieux. Vous ne me quitterez jamais, hein, pour toujours, et si vous le voulez bien, jusqu'à l'éternité. Merci, mais Miss Dawson allait me guider à travers la ville. Bien, bien, bien. Vous m'avez permis de voir un joli spectacle. C'est juste que j'offre la réciproque. Écoutez, hop, à bord de mon tapis volant, monsieur, je vous ferai voir des coins que vous n'avez jamais pu voir. Je voulais surtout visiter la tombe de Grant et la statue de la Liberté. Ah, rien ne vous interdit de les voir. Mais avant que la nuit ne s'achève, vous mesurerez l'inclinaison de la tour de Pise, vous grimperez sur les vestes et je vous ferai voir les pyramides. Les petites pyramides bondissant de sphinx en sphinx. Oh, dites, ça vous dirait qu'on allait faire une noce infernale, une bombe? Une bombe? Ah oui, on va se faire une vraie Java. Partons sans perdre une seconde et je vous ferai rencontrer les esprits forts, les vrais et ceux qui font semblant de l'être à New York. On va faire une virée à faire pâlir Omar, l'ivrogne philosophe de la Perse, qui aura l'air d'un anémique au régime lacté. Je crois qu'on devrait bien s'amuser. Bien, dites. Oh, je vous remercie, mais je veux qu'on tire une vraie bordée. Vous conserverez en mémoire cet instant de beauté et de joie pour toujours. Bob, Bob, mon armure. Oh, tempora, oh, mores, oh, batus. Oh, vous êtes vive. C'est exact. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas en le suivant. Oui, je le crois aussi. Je joue du tuba, ça aide à penser. Voici l'un des nombreux secrets rendus publics par Longfellow Dietz. À New York, notre Cendrillon mâle vient de faire cette nuit la preuve que son oncle, le regretté Martin Semple, qui lui a légué 50 millions de dollars, n'était qu'un amateur dans cet art du scandale qu'on doit juger à sa juste valeur. Cendrillon mâle, c'est sensationnel, babe, sensationnel. Ça devrait me valoir un brevet d'actrice, croyez-moi. Pourquoi? J'ai joué le rôle d'une fragile ingénue. Est-ce vrai qu'il est bête à ce point? Oh, lui, il est unique. Il n'en existe pas de copie conforme. Cendrillon mâle, babe, tu as collé une étiquette à ce type qu'il gardera toute sa vie. Quelle gueule penses-tu que Gob va faire en lisant ça? Si on pouvait vendre des billets, on ferait fortune. Où as-tu eu la photo? J'ai dit au gars de nous suivre. Merveilleux. À 2h du matin, M. Dietz bloquait la circulation en offrant des beignets dans la rue à un cheval. Questionné sur sa conduite, il a répliqué « C'est que je voulais savoir combien ce cheval réussirait à avaler de beignets avant de réclamer du café. Ah » Magnifique ! Que s'est-il passé ensuite ? J'en sais rien, j'ai dû le quitter pour faire l'article, il était dans les vapes, puis il s'en est pas aperçu. Et les retrouvailles, c'est pour quand ? Ce soir, probablement. Je lui téléphone à midi. La pause déjeuner. Je suis sténographe, vous savez, Mary Dawson. Tu es un génie, babe, un génie. Et j'ai emprunté à notre Mary Dawson son appartement au cas où ce fouineur de cop se mettrait à faire des recherches. Bien, bien, reste-y. Surtout ne viens pas au journal, je dirai à tout le monde que tu es en vacances. Il ne faut pas qu'on sache d'où tous ces articles proviennent. Faut le suivre sans cesse, tu l'auras en exclusivité, toi toute seule tous les jours pendant un mois. Les autres journalistes vont prendre un coup de sang. Babe, il faut que je t'embrasse. Non. Vous devez me donner un mois de vacances. C'est ça. Tout frais payé. Tu l'auras, babe, tu l'auras. Monsieur Dietz, monsieur, il faut vous lever, il est tard. Vous êtes Walter? Oui, monsieur. Je voulais seulement être sûr. Si vous me permettez de le dire, monsieur, vous étiez tout à fait parti hier soir. Parti? Quelle erreur, Walter. Nous étions en route vers le bout du monde, nous n'avons pas atteint. Voilà. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un breuvage à l'œuf cru, monsieur. Un breuvage? Un quoi? Oui, monsieur, il permet d'atténuer les maux de tête. Ah. Oh. Est-ce que Miss Dawson a appelé? Miss Dawson, non, monsieur. Non, Miss Dawson n'a pas appelé. Oh, c'est une demoiselle en détresse. Elle ne voulait pas de mon aide. Elle a de la fierté, ça m'enchante. Oui, je vous comprends. Et il va falloir que je l'appelle pour m'excuser. Je ne me souviens pas l'avoir accompagnée hier soir. Sans vouloir vous vexer, vous ne vous rappelez pas beaucoup de choses qui se sont produites hier soir. Vous vous trompez, je me rappelle tous les détails. Où est mon pantalon? J'ai écrit son numéro sur un bout de papier. Pas de pantalon, monsieur. Vous n'en aviez pas hier soir en rentrant. J'ai fait ça? Pour dire vrai, vous n'aviez plus de vêtements sur vous en venant. Vous étiez en caleçon. Oui, monsieur. Oh. Impossible, Walter. Qui pourrait faire un tour dans les rues sans rien avoir sur lui? Il serait arrêté. C'est ce qu'ont dit les policiers, monsieur.
Quoi? Quel policier? Ceux qui vous ont ramené à la maison. Ils ont dit que vous et l'un de vos amis vous preniez de bas en haut de la rue en hurlant « Vive la nature! Se vêtir, c'est la tare de la civilisation! Vive la nature !» Dis-moi, Walter, si un monsieur Moreau au téléphone, je ne serai pas là pour lui. Il se peut qu'il soit un grand auteur, mais... Je crois qu'il est cinglé, vraiment cinglé, Walter. Bien, monsieur. Oh, à propos, monsieur, est-ce que... Pas à genoux. Mais comment vous mettre vos mules, monsieur? Bon. Je vous prie de m'excuser, mais avez-vous pu trouver ce que vous cherchiez hier soir? Cherchez quoi? En rentrant, vous m'avez fait sortir ce que j'avais dans mes poches. Vous disiez que vous cherchiez une rime pour Buddington. Mieux vaudrait m'apporter du café, Walter. Très bien, monsieur. Oh, excusez-moi, j'allais oublier. Un télégramme vient d'arriver pour vous. Je vais vous apporter du café fort. Non, mais vous avez lu ce que le journal publie ce matin? Arthur nous quitte. Arthur qui... Quoi? Qui c'est ça, Arthur? C'est l'expéditionnaire de la fabrique. Il veut $2 de plus ou alors il nous quitte. Mais en quoi est-ce que ça me concerne, votre Arthur? Est-ce que vous avez lu ces sottises ce matin? Qui a dit où vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Vous avez causé à qui? Et qu'est-ce que vous avez fait à vos gardes du corps? Ils ont démissionné ce matin, vous les aviez enfermés. Oh, ils insistaient pour coller à mes semaines. Mais à quoi est-ce que vous croyez que ça sert, des gardes du corps? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire par Cendrillon mâle? Alors, est-ce que tout ça, c'est vrai? Cendrillon mâle, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais vous ne cesserez pas d'être une cible si vous leur donnez la moindre chance. Ils vont vous descendre en flamme. J'ai envie d'aller donner une bonne leçon à ce journaliste. Non, une seconde. Non, réfléchissez. Ça sert à quoi de frapper? Ça résout rien. Une correction n'est pas une solution. Il n'y a pas de meilleure solution, quelquefois. Pas dans ce cas, vous pouvez me croire. Pas dans ce cas. S'il continue à se moquer de moi, il vaut mieux... Allons, Longfellow. Servez-vous de votre tête, vous vous en tirerez bien si vous contenez vos instincts homicides et si vous gardez votre bouche fermée. Ne dites rien sur toi, personne, ces journalistes sont à l'affût de tout. Mais que faire pour ce Cendrillon mâle? Non, ça je m'en charge, je réglerai cette affaire, je vais faire en sorte qu'on n'en parle plus. Mais il faudra m'aider. Je n'arriverai à rien si vous racontez tout à n'importe qui. Alors il faut que vous me promettiez de faire attention désormais. Quoi? Oui, je crois qu'il le faut. Merci. C'est facile, tenez-vous tranquille de votre côté et moi je me charge du reste. Il a raison. Je ne parlerai de rien à personne. Miss Dawson au téléphone, monsieur. Qui? Miss Dawson? Oui, monsieur. Enfin, je vais lui parler. Donnez-moi l'appareil, vite. En dehors d'elle, vous ne me passerez aucune communication. Vous êtes tout à fait gentil de me servir de guide. Mais c'est une joie. Cet aquarium est superbe. Si je vivais à New York, j'y reviendrais tous les jours. Je suis sûr que vous le faites. Mais c'est impossible. Je dois songer à mon travail. Hé, hey, face de rat, dépêche-toi. Faut suivre cet autobus. Faut pas t'en faire. Je dirais qu'on va pas faire beaucoup de photos ce soir. Beb devrait le faire boire de nouveau. Et quoi de neuf? Enfin, je veux dire, une chose nouvelle s'est-elle produite dans votre vie? Bien sûr. Je vous vois. Et que se passe-t-il pour l'opéra? Ah oui, on s'est réunis en comité, je l'ai présidé, mais seulement j'ai agi en vrai président. Oui, je vois. C'est vrai, je veux bien apporter mon concours, mais ils devront diminuer leurs frais administratifs et leurs dépenses de gestion. Oh, et ils n'ont rien dit? Vous êtes vraiment ravissante. Ils n'ont rien dit? Hein? Ah, ils ont dit que j'étais fou, que je voulais tout conduire en marchand de soupe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous vous coiffez toujours de cette façon. Oh, c'est incroyable. Cendrillon mâle, ça c'est tapé. J'aimerais bien lui mettre le grappin dessus. Rassure-toi, il y a sûrement quelqu'un qui s'en occupe. Ce seraient des hommes, j'irai leur casser la gueule. Vous savez ce qu'on a publié? Non. C'est ce qui fait que vous me plaisez, c'est que vous comprenez ma façon de voir. Je voudrais aller trouver ce gratte-papier et lui flanquer la volée qu'il mérite pour avoir écrit ces sottises. Cendrillon mâle. Je crois que bientôt, on ne m'appellera plus autrement que Cendrillon mâle. Vous voulez qu'on marche avant de rentrer? Il fait si doux ce soir. Oui. Alors, allons-y. Hé, vieille cloche! Il fiche le camp!
Et attends, arrête là. Vite, vite. Arrête au tournant. Nous y sommes. Vous vouliez tant la voir. Eh ben, ça, t'en crois tes yeux, toi, ils vont voir la tombe. C'est donc ça. Hé, hey, vise un peu. La tombe. Eh bien, voilà, la tombe de Grant. Vous n'êtes pas déçu? C'est magnifique. La plupart des gens la trouvent assez laide. Hein? Je dis que la plupart des gens la trouvent laide. Oh, tout dépend de ce qu'ils y voient. Et vous, qu'est-ce que vous y voyez? Moi? Oh, j'y vois un... venant de l'Ohio, un fermier s'affirmant un grand soldat. J'y vois des masses d'hommes en marche. J'y vois le général Lee, le cœur brisé avouant sa défaite. J'y vois le début d'une nation nouvelle telle que Abraham Lincoln l'a vue. Et j'y vois le fils de l'Ohio parvenant à se faire élire à la présidence. Voilà des choses qui seraient inconcevables ailleurs qu'en Amérique. Je suis ému. Désolé, monsieur Appert. Monsieur Sédar a interdit qu'on le dérange. Navré. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-dedans? Je sais pas. Les 3C et le petit B ne sont pas sortis de là depuis une heure. Je ne voudrais pas vous critiquer, John, mais c'est un fait. Oui, je sais, nous n'avons pas encore reçu cette procuration. Oui, mais vous nous mais disiez... Mais je n'ai pas la faculté de le faire signer de force, que je sache. C'est ridicule que nous ne réussissions pas à obtenir ce que nous voulons. Vous avez lu ce qu'on écrit. Cendrillon mal. Pourquoi se comporte-t-il en idiot? Tout à fait ce que je disais à ma petite femme. On s'en fiche de ce que tu disais à ta femme. Oui? Monsieur et Madame Sample sont toujours là. Bah qu'ils attendent, j'ai pas le temps. Depuis plus d'une semaine, ils demandent à ce qu'on les voit. Qui sont-ils? Des parents du vieux bonhomme. Ils assurent qu'ils auraient la faculté de créer des ennuis. Créer des ennuis? Oui, ils disent que s'il n'y avait pas Udits, ils auraient eu le magot. Créer des ennuis. Peuvent-ils le faire? Peut-être qu'ils le peuvent. Oui, peut-être qu'ils le peuvent. Faites entrer, monsieur et madame Sample. Oh, ravi de vous voir. Ce n'est pas faute d'avoir... Nous sommes de vous avoir fait attendre. Enchanté, monsieur. Quelle idée a eu ma secrétaire de ne pas insister de vous faire attendre si longtemps. Apportez des sièges. Allons, dépêchez-vous. Je peux me permettre de vous offrir un cigare, monsieur Sample? Merci. Voici Times Square. Êtes-vous capable de cracher dessus? Oh, ben on va essayer. Oh, mais le vent est trop fort. Ça vous ennuie encore, ces articles qu'on écrit à propos de vous? Oh, je ne m'en fais plus tellement. Je suppose qu'ils continueront jusqu'à ce qu'ils se lassent. Il ne faut pas croire toutes ces absurdités. Oh, ils veulent surtout vendre leur journal. Oui, je le crois. Mais ce qui me surprend... c'est que les gens prennent plaisir à se déchirer les uns les autres, alors qu'il ferait mieux de s'aimer les uns les autres. On s'en va? Ici, nous serons tranquilles. Oui. Au moins, il n'y a aucun photographe aux alentours. Une chose que vous avez dite quand on s'est vu la première fois continue de m'intriguer. Quoi donc? Que j'étais une demoiselle en détresse. Ah, oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Rien. Est-ce que vous êtes... êtes-vous fiancée ou... Non. Et vous? Non. Est-ce que vous sortez avec des filles souvent? Pas souvent. Pourquoi? Ah, est-ce que je sais? De nombreuses femmes de la bonne société ont dû courir après vous. Est-ce que ça vous déplaît? Non, mais personne ne méritait une attention particulière. Il m'a semblé qu'elles dansaient la danse du scalp autour de moi. Sauf vous, bien entendu. Les hommes ici sont bizarres. Ils travaillent si dur à gagner leur vie qu'ils en oublient de vivre. L'autre nuit, quand je vous ai quitté, je marchais au hasard dans la ville en regardant ces grands immeubles. Et j'en suis venu à penser à ce que le poète disait. Ils ont construit de grands palais, oui, mais ils n'ont pas su créer les hommes méritant d'y vivre. Je préfère Mandrick Falls. Je viens d'une petite ville, moi aussi. C'est vrai. Pas plus grande que Mandrick Falls. Bigre, et vous vous y plaisiez? Oh, c'est une mignonne petite ville, elle aussi. Avec des peupliers en rang le long de la grande rue. Fraîche comme si on venait de lui faire toilette. J'ai souvent envie de repartir chez moi. Vraiment? Oh oui. Quand j'étais une petite fille, j'y ai vécu des jours heureux. J'allais sur un bateau pêcher avec mon père. Tiens, vous savez, c'est drôle. Vous lui ressemblez beaucoup à mon père.
Il avait aussi votre voix. Quelquefois, il me laissait tenir la ligne quand il fumait et nous restions là durant des heures. Puis tout d'un coup, et sans raison, j'allais l'embrasser et m'asseoir sur ses genoux. Il ne parlait pas beaucoup, mais un jour, je me rappelle qu'il m'a dit « Qu'importe ce qui t'arrive, surtout, ne te plains pas. » C'est quelqu'un que je déplore de ne pas avoir connu. Il jouait dans la fanfare aussi. C'est vrai ? Je joue du tuba, vous oui, savez. Oui, je sais. Et de quel instrument ? Il jouait du tambour, mais il m'a appris à moi aussi. C'est vrai ? Oui, je sais jouer Soigner River. Vous voulez l'écouter ? Ah, bien sûr. You could do better. Sure. I can sing humoresque. Humoresque? I bet you don't even know how it goes. Sure, look. You sing it over again, and I'll do humoresque with it. You better be good. Peut-être qu'il voudrait qu'on fasse un quatuor. On y va? Oui. Un incendie. Voilà les pompiers, je veux voir ce qu'ils font. Attendez-moi, attendez. Il semble qu'on n'aura pas perdu notre soirée. Et vous ? Que voulez-vous ? Capitaine Dietz, des pompiers volontaires, Mandrake Falls. Bonjour, capitaine. Salut, le capitaine. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien. Qu'y a-t-il, babe ? Qu'est-ce qui te tracasse ? Rien, rien du tout. Mon infaillible instinct m'apprend qu'il y a du sucre dans le moteur. Ne sois pas ridicule. Tu n'as guère avancé, c'est ça ? Tu n'as presque rien écrit en une heure. Dépêche-toi d'en finir et allons les rejoindre. Les copains nous attendent. Je ne peux pas finir cet article. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Allô ? Oui, elle est ici qui la demande. Qui ? Ah oui, un instant, je vous prie. Psst, c'est lui. Comment que tu l'appelles ? Le cendrillon mâle. Le cendrillon mâle. Allô ? Je ne pouvais pas dormir. Je voulais vous entendre. Ça ne vous ennuie pas ? Non, pas du tout. Je ne dormais pas. Je voulais vous remercier encore de m'avoir fait visiter la ville. Vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous me changez de tous ces pantins que je rencontre. Eh bien, c'est très gentil. Merci. Savez-vous ce que je fais depuis que je suis rentré ? J'écris un poème. Il parle de vous. Vous savez, quelquefois, il m'est plus facile d'écrire que de dire les choses de vive voix. Je serais heureuse de le lire si vous me le montrez. Il sera peut-être fini la prochaine fois qu'on se verra. On se voit bientôt. Eh bien, Mary, bonsoir. Bonsoir. Mabel, ce garçon est le plus bête, le plus stupide, le plus imbécile des idiots de ce monde, ou alors c'est quelqu'un d'exceptionnel, je ne sais pas encore. Je le fais souffrir le martyr. C'est pas le premier qui souffre le martyr. Mais pourquoi faut-il que je le fasse ? Tu voulais obtenir des succès sur le plan professionnel. Oui, et après ? Je sais pas. Va voir une voyante. Voilà quelqu'un de spontané, de franc. Nous en faisons une sorte de pantin. Tu sais ce qu'il m'a expliqué ce soir ? Le jour où il va se marier, il veut porter dans ses bras sa fiancée pour franchir le seuil de la maison. J'ai l'impression qu'il ne va pas bien. Tu crois ?
Je le croyais aussi. J'ai voulu rire, mais rien à faire. C'est resté dans ma gorge. Oh, arrête, ça suffit. Tu vas me faire penser à mon Charlie, tu sais. Il est profondément bon. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Non, évidemment. Pas de souvenir. Tu as trop à faire pour avoir le temps de penser. Trop à faire à cause d'une concurrence folle qui ne mène à rien. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, monsieur. Hein? Madame Pomponi est au téléphone. Qui? Madame Pomponi. Elle dit qu'elle a tout arrangé pour la réception. Oh, voilà des façons de me déranger quand je joue. Mais elle est au téléphone, monsieur. Sortez. Le diable vous emporte. Eh bien, je... Sortez! Oh, excusez-moi, excusez-moi. Arrêtez. Non. Vous entendez? Quoi donc? Hop! Hop! Oui, c'est un écho, monsieur. Essayez. Moi, monsieur? Oui. Moi! Plus fort. Moi! Moi! Vous, essayez. Moi, monsieur. Plus fort. À vous, essayez. Tous ensemble. Bien, encore. Que ça vous serve de leçon. Repartez dans vos chambres pour l'instant. Le cendrillon mâle à valeur de feu. Le cendrillon mâle réforme l'opéra. Le cendrillon mâle offre une réception. Madame Pomponi lance Dite dans la vie mondaine. Bonjour, très cher. Oh, c'est si gentil à vous Madame d'être venue. Madame Pomponi. Bonjour, Madame. Où est-il? Où est-il? Je meurs d'envie de voir ce cendrillon mâle. Il peut t'entendre. Oh, entendrait-il qu'il ne comprendrait rien? Oh, c'est bien vrai. Oui. On dit qu'il croit au Père Noël à cet âge-là. S'il était le Père Noël, le vrai, il y a de quoi être intrigué. Vous avez mis vos pantoufles pour le cendrillon mâle? Moi, mais je les mais oui, mais en voilà une paire. Ces 50 millions de dollars l'autorisent à être très laid. On ne pourra pas se faire remarquer, cette Pomponi ne va pas le quitter d'une seconde. Mes amis, on dit qu'il n'a rien dans la tête s'il ne joue pas du tuba. Tu es folle, Bébé. La seule idée de le voir me rend malade. La fuite n'est pas une solution. S'il te demande, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, dis-lui que j'ai trouvé du travail ailleurs, que je suis partie à l'improviste. Tu te conduis en collégienne. Est-ce que je peux faire autre chose? Je ne peux pas continuer ce jeu, il est impensable qu'il ne s'en aperçoive pas. Au moins, je vais lui éviter ça. Hé, là-haut, il n'y a personne? On y va, Bébé, on va le mitrailler. Encore, c'est deux minables. Eh, hey, dis-moi, t'aurais dû être au bureau cet après-midi. Oui, mec a foutu comme dehors. Oh, quel feu d'artifice. Faut pas se gêner, ça suffit. Oh, bah juste un petit coup avant de partir à l'assaut. On ne va pas sortir, inutile. Je croyais que tu devais le voir. Non, c'est cuit, il donne une réception chez lui ce soir. Ah, dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Même si je te faisais un dessin, tu n'y verrais rien. Alors écrase et presse-toi de filer, pauvre type. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Nous ficher dehors, ça devient une habitude qui me plaît pas, hein. Est-ce que Mary Dawson est là? Je suis Longfellow Deeds. Oh, oh oui, sans doute. Longfellow Deeds. Entrez. Je vous en prie. Vous êtes Mabel, sa sœur, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est sûr, je suis sa sœur. Oui, il y a belle lurette que je suis sa sœur. Oh. Elle est chez elle? Oui. Quoi? Mary est là. Oh, Mary! Oh, oh oui, sans doute. Mais... je vais voir si elle est rentrée ou non, je vais voir. Oh, la voici, c'est donc elle est rentrée. Bonsoir. Suis-je bête? Bonsoir, Mary. Je vous attends depuis une heure au rendez-vous. J'ai eu peur que vous n'ayez eu un ennui.
J'ai cru que vous ne viendriez pas avec cette brillante réception. Oh, rien ne réussira à m'empêcher de vous voir. Je les ai flanqués dehors. Vous avez fait ça? Vous ne les avez tout de même pas sortis par la force? Si, tous ces gens m'énervaient, je les ai mis à la porte. Je crois qu'ils vont encore le publier dans le journal. Ça leur donnera une autre occasion de persifler. Je m'en moque bien, j'ai eu assez de joie à le faire. Est-ce que vous avez envie de faire un tour? Oui, ce n'est pas trop tard. Excusez-moi, je vais mettre mon chapeau. Belle journée. Douce nuit, c'est très plaisant. Oui, plaisant. C'est qu'il a fait très beau ces jours-ci. Une belle et douce nuit pour une promenade, ce n'est pas votre avis? Oh oui, une belle soirée pour une promenade. Ce sera idéal. On y va? Diable. Elle est plus jolie chaque fois que je la vois. Merci. Bonne nuit. Ne vous faites aucun souci, elle ne rentrera pas tard. Je vous en remercie. Bonne nuit. J'ai le pied tout engourdi. Allez, vite. Non, vous n'allez pas les suivre. Ben pourquoi? Laissez-les en paix, voyons. Enfin, c'est notre boulot de faire des photos. Non, plus de photographie. Je suis content que vous ayez voulu sortir, Mary. J'ai des choses à vous dire. Ah oui? Eh bien, parlez. Je vais essayer. Mary, je vais rentrer chez moi. Ah, oh, et quand? Oh, dans un jour ou deux, je pense. Je comprends bien. Un homme doit savoir ce qui lui convient et rien ne me convient dans cette ville. J'ai cru que je saurais employer cette fortune, mais j'ai été pris au point que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Je crois que je vais attendre d'être au calme. Mais peut-être que je vous ennuie, Mary. Ce que je raconte ne vous intéresse pas. Mais si, au contraire. Toute ma vie, j'ai cherché à qui je pourrais me confier. Avant, à Mandrake Falls, je m'entretenais toujours avec une fille. Une fille? Oh, imaginaire. Je vagabondais dans les bois et je l'emmenais toujours avec moi. Je lui parlais souvent. Je lui faisais voir mes arbres préférés. Ça a l'air loufoque, mais j'étais très heureux avec elle. Elle était superbe. Ici, je ne me suis pas marié encore, c'est parce que j'attendais. Sachez que mes parents formaient un couple admirable. Et c'est dans l'espoir de trouver un bonheur pareil que longtemps, je me suis dit qu'un jour, la fille imaginaire pourrait devenir bien réelle. Eh bien, nous voici de retour. Oui, nous voici de retour. Bonne nuit. Bonne nuit. Mary, je... Excusez-moi. J'aimerais vous dire, surtout ne laissez personne vous faire encore du mal. D'ailleurs, ils n'y arriveront pas. Vous êtes bien trop fort. Vous repartez à Mandrake Falls, vous y vivrez bien mieux. Au revoir. Mary! Le fameux poème dont je vous ai parlé, je viens de le finir. Vous souhaitez le lire? Il est à vous. Oui, je veux bien. Surtout, ne dites rien maintenant. Vous le ferez... Dites-moi demain ce que vous en pensez. J'ai arpenté la terre sans l'ombre d'un espoir. Cherchant en vain ce que je voulais percevoir, quand le ciel t'envoya dans sa pitié si claire, ô ange incomparable, ô être exemplaire. Mon rêve s'est fait réalité, mais mon univers serait vide si tu t'effaçais et te dérobais à mes regards avides. Et mon cœur lancerait ce cri, redis mille et une fois, ô ange apparu dans ma vie, sois à moi, sois à moi. Oh mon chéri. Ne me répondez pas tout de suite. J'attendrai jusqu'à demain pour avoir votre réponse.
Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que tu nous racontes, babe? Pourquoi veux-tu nous quitter? Enfin, c'est comme si tu disais que je partais, moi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Hier, il s'est déclaré, c'est tout. Déclaré? Tu veux dire qu'il voudrait t'épouser? Oui. Mais babe, c'est fantastique! Cendrillon Mâle et la mystérieuse jeune fille qui est... Sortez une ligne de ce genre et je fais brûler l'immeuble. Navré, babe, navré. Je me laissais enthousiasmer. C'est trop bête. Ça faisait un si bel article. Alors il veut se marier avec toi. Drôle de truc. Tu l'attaques toute griffe dehors et lui... Oui, c'est vrai, drôle de truc. Écoute, est-ce que tu te serais entiché de ce nigaud? Mais est-ce qu'il se pourrait que... Mais c'est trop fort, babe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui dire la vérité. Dire que tu es Babe Bennett, que tu l'as fait passer pour un niais aux yeux de tous. Oh, je dois le retrouver maintenant. Il attend ma réponse. Ça va être facile. C'est de la folie de vouloir faire ça. Il est probable qu'il va me jeter du haut de l'escalier. Il devrait bien le faire. Je vais te mettre sur un autre coup. Il est impossible que tu le revoies. Ce serait pire. Oh, c'est si grave que ça? Je n'ai qu'à tout lui avouer. Après tout, c'est de ma faute. C'était pourtant bien de travailler avec vous, Mac. Bon, je n'ai plus qu'à ranger mes affaires. Est-ce que tout va bien? Oui, je crois que vous serez content. C'est de l'or? Oui, monsieur. 18 carats? Oui, monsieur. C'est le mieux que vous ayez? Oh oui, monsieur. Ces fleurs sont trop hautes. Oui, monsieur. Je ne pourrai pas l'avoir. Trouvez un plus petit vase, je vous prie. Un plus petit vase pour les fleurs? Oui, monsieur, un plus petit vase pour les fleurs. Vous avez cette chose que je vous ai réclamée? Quelle chose? Mais ce machin, cette chose qui a un goût de savon. Oh oui, monsieur, oui, le pâté, le foie gras. Il faut qu'il y en ait beaucoup, elle adore ça. Oui, monsieur. Vous vous souvenez de tout? Parfait. Asseyez-vous, je vous prie. Moi, monsieur? Oui. Vous êtes trop grand, il faut que vous vous baissiez. Oui, monsieur. Encore. Avancez-vous. Comme ceci, monsieur? Parfait. Parfait. J'espère que vous serez content. Merci. Ne touchez à rien, tout doit rester tel que c'est. Walter! Walter! Walter, où êtes-vous? Je suis ici. Vous avez besoin de quelque chose? Il faut que je m'habille. Il est temps que vous m'aidiez. Je dois être prêt à la recevoir. Mais elle ne viendra que dans une heure, monsieur. Une heure? Mais ce n'est rien, une heure. Le temps file si vite. Ma cravate. Voici, monsieur, la voici. Upon the Swanee River. C'est bien ce que je pensais, gros malin. Qu'on vous mette en boîte et que ça vous amuse, ça vous concerne. Mais qu'on me le fasse à moi, c'est trop. Veuillez dire à ce monsieur que je suis sorti. Mary Dawson, hein? Mary Dawson, mon œil. Cette dame vous a rendu grotesque. Tout New York va en rire et pour combien de temps? C'est un faucheton, une vipère qui mène double jeu. Qu'est-ce qui vous permet? Ça va, allez-y, cognez. Pourtant, elle se paie votre fiole. Elle travaille dans le plus grand journal. Chaque fois que vous ouvriez la bouche, vous lui apportiez un nouvel article. Grâce à cette dame, vous n'êtes plus qu'un bouffon nommé Cendrillon Mâle. Un si bel amour justifierait une double dose de cyanure. Taisez-vous! Écoute, babe, réfléchis encore. Il faut que tu reviennes sur ta décision. Ceci est pour vous, Mac. Une liste complète de tous les maîtres d'hôtel. Ils sont toujours prêts à vendre un ou deux scandales pourvu qu'on paye raisonnablement. J'en ai vu s'en aller sur un coup de tête comme tu le fais. Ils sont tous revenus. Allô? Oui. Ne quittez pas. C'est pour toi. Dans une semaine ou deux, tu te sentiras si mal que tu me supplieras de te reprendre. Allô?
Babe Bennett, ne quittez pas. Allô, Mary? Oh, c'est vous, chérie. Est-ce vous qui avez écrit tous ces articles à propos de moi? Je m'en allais, je venais vous rejoindre à la minute. Est-ce vous, oui ou non? Oui, je l'ai fait. Mais c'est vrai, je suis responsable. Je venais vous expliquer pourquoi j'ai... Pourquoi je l'ai fait? Attendez, chérie, écoutez-moi, je vous en prie. Chérie... Je vous demande pardon, monsieur. Dois-je servir du champagne avec les hors d'œuvre? Je vous demande pardon, monsieur. Si j'avais su que ça vous ferait un coup aussi dur, j'aurais fermé ma grande gueule. Je suis désolé. Faites mes valises, Walter. Je rentre chez moi. Oui, monsieur. Vous ne devriez pas partir aussi vite. Qu'est-ce que vous allez faire de l'héritage? Qu'il le garde, l'héritage. Que monsieur, mais... Je veux le voir, je vous dis. Il faut que je le voie. Oh, c'est tout à fait impossible. Non, non, n'avancez pas. Je veux le voir. Je veux voir. Laissez-moi passer. Non, je vous dis qu'il faut le voir. Mais voulez-vous me lâcher? Laissez-moi. Je veux juste jeter un coup d'œil. Ah, le voilà. Je voulais juste savoir le genre d'homme que vous êtes. Je voulais voir à quoi ressemble un gars qui dépense tant d'argent à donner une réception quand les pauvres meurent de faim. Le Cendrillon mâle, hein? Avez-vous réfléchi au nombre de familles qu'on aurait pu nourrir avec l'argent gaspillé en un soir? Mais lâchez-moi! Laissez-le parler. Si vous aviez un rien de bon sens, vous me laisseriez ouvrir mon cœur. Ça vous dit, hein? D'offrir des beignets à un cheval, quelle action d'éclat, de quoi bien rire! Avez-vous jamais songé à offrir des beignets à des hommes dans le besoin, non? J'appelle la police, monsieur. Non. Que voulez-vous? Eh bien, si ça vous intéresse, je vais vous le dire, ce que je veux. De quoi nourrir mes enfants et ma femme, c'est tout. Je suis un fermier. Du travail, c'est ce que je veux. Un fermier, hein? Vous êtes un mendiant et pas autre chose. Je ne veux plus croire personne, même s'il jurait sur un tas de bibles. Vous n'êtes pas différent de tous ceux qui traînent autour d'ici, alors partez, vite. Ah, c'est sûr, n'importe qui mendie pour vous. Un malheureux qui se nourrit d'ordures passe pour un mendiant à vos yeux. Je ne sais pas à quoi ça vous... Est-ce que vous êtes pas un geste et reculez? Vous obtiendrez encore plus de publicité, monsieur Deeds. On va reparler de vous en première page. On va voir si ça vous plaira autant cette fois. L'argent, vous ne saurez plus quoi en faire quand vous serez à 6 pieds sous terre. Vous y avez songé quelquefois, non? Ceux de votre espèce ne pensent qu'à ramasser plus de sous. C'est plaisant, hein, d'amasser gros. Vous n'avez jamais songé à ceux qui font la quête pour recevoir un bout de pain, ignorant quand un repas leur tombera du ciel, incapable de nourrir leur famille, incapable de... Ah, oh, quelle chance. Je n'ai atteint personne. Excusez-moi. Je suis fou. Ça vous prend parfois des idées folles. Ah, oh, pardon. Je ne savais pas ce que je faisais. Perdre sa ferme après 20 ans de travail. Avoir des enfants affamés. Une brave petite femme qui dit « T'en fais pas, ça va bien s'arranger ». Et venir ici pour avoir un peu de pain, ça me tue de demander de l'aide. J'ai pas l'habitude. Faites ce que vous voulez de moi, monsieur. Je crois que j'arrive au bout du rouleau. Je pourrais en emporter chez moi.
Deeds va faire don de sa fortune. Une zone rurale fractionnée en ferme de 5 hectares. Coût de l'opération, 18 millions de dollars. Le plan de Deeds inquiète les financiers. Une équipe sélectionne les solliciteurs. Des milliers de chômeurs envahissent la maison de Deeds. Êtes-vous marié? Oui, monsieur. Des enfants? Non, pas d'enfants. Très bien, monsieur. Vous paraissez être qualifié. Portez ça à côté, on vous donnera d'autres instructions. Merci beaucoup. Au suivant. Combien ça nous en fait? Vous en avez retenu 819. C'est tout? C'est tout. Ça ne va pas assez vite. Il en faut 1100 de plus. Allô? Oui? Oui? Le plan d'aménagement semble aller. Le tracé de la route est à revoir. Venez me voir vers 10h et apportez les plans. Bien. Les charrues, je les ai obtenues à bon compte. Bien, bien. On en reparlera plus tard. Monsieur Deeds, ma femme voulait que je vous dise qu'elle prie pour vous tous les soirs. Eh bien, merci. Bonjour, quel est votre nom? George Rankin, monsieur. Non, nous ne voulons pas acheter de vaches. Qu'est-ce que c'est? Non, écoute, vieux, les vacheries, c'est moi qui les vends depuis longtemps. Il nous reste peu de temps. Il veut qu'on mette tous les comptes à sa disposition tout de suite. Il faut faire vite avant qu'il ne dispose de tous les biens. Tu vois, je savais qu'il fallait bouger. Je te l'ai dit il y a longtemps. Allez, signe, chérie. Je veux pas qu'on ait ton bêtement. Oh, ne sois pas une chiffre molle. Il y a des millions en jeu. Après tout, vous avez des droits certains. Vous êtes ses seuls parents en vie. Qu'est-ce que ça dit? Ça fixe la rétribution de Monsieur Cédard si on gagne. Nos dépenses vont être à l'évidence très importantes. Il va falloir faire appel à des experts très coûteux. Vous savez que la machine est toute prête à fonctionner depuis le temps que je travaille à cette affaire. Alors donnez le feu vert et cet imbécile n'aura plus qu'à retourner à sa fanfare. Signe vite! Ah, d'accord. Ah, Charlie, feu vert, les papiers sont prêts? Tout prêt. Bon, ça va, alors allez-y. Et surtout, oui. Trouvez qui a écrit ces fameux articles et qu'on le cite comme témoin. D'accord. Vous vous appelez? Christian Swenson. Fermier? Oui, fermier. Et où est votre ferme? Sud Dakota Nord. Sud Dakota Nord? Sud Dakota, mais tout en haut. Ah. Vous pourriez vous arrêter et manger? Non, pas le temps. Je veux en finir d'abord avec ce travail et puis retourner chez moi. Enfin, c'est bête, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Dites, à vous crever, vous n'avez pas mis le nez dehors depuis 15 jours. Ouais, c'est juste, faites-moi apporter un sandwich. Vous pouvez attendre une minute? Bien sûr, sûr. Si vous voulez avoir un sandwich... Ça me fait plaisir de vous en offrir un. Merci, c'est très gentil. Ça va comme ça, comme. Il est bon. Cobb? Trouvez de quoi les faire manger tous. Quoi? Mais ils sont plusieurs centaines à attendre dehors. Oui, mais ils n'en ont pas moins faim. D'accord, Père Noël. Je vais faire le nécessaire. Pourquoi il n'y aurait pas? Vas-y, faut qu'il sache. Vas-y, faut le dire. Monsieur Dietz, on veut que vous compreniez bien qu'on est tout à fait... Enfin, les camarades m'ont chargé. Voilà. Eh bien, ils pensent que vous êtes quelqu'un de sensationnel. Ah, et c'est pas du bidon. C'est vrai, mais il faut en dire un peu plus. Vas-y. Ah, c'est pas facile. Vas-y. On était tous sans un sou. Et voilà que vous débarquez et que vous nous redonnez l'espoir. Dispersez-vous. Alors, c'est ce qu'ils voulaient m'entendre dire. Allez, et moi, je pense que... Allez, dispersez-vous. Laissez passer. C'est celui-là. Vous êtes bien Longfellow Deeds. Oui. Adjoint du shérif, j'ai un mandat à exécuter qui vous concerne. Vous avez quoi? Un mandat d'arrêt, oui, je dois vous emmener avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que ces manigances? Ça vous regarde pas, ce que je sais, c'est que j'ai un mandat pour aliénation mentale et je l'exécute. Aliénation mentale? Mais qui a dit qu'il était fou? Il y a une plainte émanant des parents de feu Martin Semple.
Les chefs d'accusation sont que Dietz est fou et de ce fait incapable de gérer l'héritage. Il y a eu de la panique hein, quand on a vu ce qu'il voulait faire de l'héritage. Mais où est-ce que vous allez le conduire? À l'hôpital. C'est une mesure temporaire. Le juge entendra très vite les témoins. C'est très bien. Oui. C'est parce que je veux faire bénéficier les pauvres de cet argent qu'on dit que je suis fou. C'est merveilleux. Ça boucle la boucle complètement. Faut qu'on y aille. Ah, une minute, pas si vite. Il faut consulter un avocat. J'appelle Cédar. Non, ne l'embêtez ça pas. Ça peut vous surprendre, mais c'est M. Cédar qui m'envoie. Il représente le plaignant. Allons-en. Nous avons déjà perdu trop de temps. D'accord, je vous suis. Mais surtout, ne me touchez pas. Laissez passer, laissez passer. Allons, reculez. Reculez-vous. Reculez. Allons. Laissez passer. Oui, beaucoup de gens veulent le voir, mais il n'y reçoit pas. Oui, je vais le faire. Au revoir. C'est interdit, madame. Ah, c'est encore vous? Oh, mais voyons, il faut que je le voie, vite. Vous êtes je vous dis, pour la 20e et dernière fois, il ne veut recevoir personne. Bon, est-ce que vous voulez lui donner mon nom, au moins? Écoutez, ce qu'il faut éviter, si vous souhaitez vraiment qu'il se remette, c'est de prononcer votre nom, ça lui colle le cafard. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne pas bouger et vous laisser rouler? Enfin, c'est un coup monté par des gens qui n'ont pas de scrupules. Vous devriez me laisser consulter un avocat. Vous n'allez pas entrer au tribunal sans avoir préparé ce qu'il faut pour leur river leur clou. Cédar est très malin, hein, avec tous les atouts qu'il a sûrement mis dans son jeu. Vous êtes cuit. Écoutez, vieux, je sais ce que vous éprouvez. Une belle Italienne autrefois m'a joué le même tour. J'ai drôlement dégusté, mais j'ai repris le dessus. Sans blague. Mais pas vous laisser faire, hein? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Ils essaient de prouver que vous êtes fou. Et s'ils y arrivent, ils vous mettront dans un asile. Et quand on vous accuse de folie, c'est déjà gagné à moitié. Il faut vous battre. Allons, asseyez-vous, voulez-vous? Oui. Au revoir, Monsieur Cobb. Cobb, écoutez, il faut que je le voie, j'ai un tas de choses à lui dire. Il n'avait pas assez causé de dommages comme ça, non? Il faut que quelqu'un lui vienne en aide, il n'a aucune chance contre Cédar. J'ai parcouru la ville en tous sens, j'ai vu tout le monde, le patron de mon journal est prêt à faire campagne pour lui. J'ai touché Livingstone aussi, avec un avocat comme lui, il va retrouver ses chances. Je vous dis que vous perdez votre temps, il n'en veut pas d'avocat. Il est si dégoûté qu'il ne veut accepter d'aide de personne, et tout ça c'est de votre faute. Hein. Ainsi, bas de garçon le plus chic de cette ville, vous l'avez complètement démoli. Tout ça pour lire vos sales articles. Ah, vous avez bien fait votre part. Vous n'avez qu'à lui foutre la paix maintenant. Dietz est-il fou? Audience aujourd'hui. Dietz ne veut pas d'avocat. Les fermiers prêts à soutenir leurs bienfaiteurs. La police entoure le palais de justice pour éviter les manifestations. C'est lui, regarde, c'est lui, Dietz. Le voilà, c'est lui. Ça va très bien se passer. Cédar vient de me parler, il propose un arrangement. C'est une bonne occasion de vous tirer d'affaire. Qu'en dites-vous? Levez-vous. Cour suprême de l'État de New York, 9e chambre réunie en session spéciale, l'honorable juge John May préside. Asseyez-vous.
La cour prévient l'auditoire qu'elle ne tolérera aucune manifestation. Nous étudions la santé mentale de Longfellow Dietz. Quel avocat vous représente, monsieur Dietz? Il paraît qu'il a l'intention de ne pas prononcer un mot. Et il n'a pas d'avocat? Non, il n'en a pas. C'est absurde. Dois-je entendre que vous n'avez pas d'avocat, monsieur Dietz? Si je ne me trompe, vous n'auriez pas l'intention de contester les chefs d'accusation. Maintenant, si vous vouliez changer d'avis, je serais disposé à reporter l'audience. Ça, c'est vrai. Il est fou, de vrai. Ça ne peut pas être bien difficile. C'est vrai. Poursuivez. Et dans l'intérêt de mon client, qui est le seul autre parent en vie du regretté Martin Saint-Paul, comment pourrions-nous permettre qu'une telle fortune soit dissipée par quelqu'un d'aussi extravagant et incompétent, comme nous allons le prouver de manière indiscutable? J'en ai la preuve dans une série d'articles écrits par une journaliste de premier plan, à qui aucun de ses faits et gestes n'a échappé depuis qu'il est arrivé. Elle raconte qu'au milieu d'une banale conversation, il s'est interrompu soudain pour jouer du tuba. Elle raconte aussi qu'il s'est attaqué à plusieurs éminents écrivains sans raison apparente. Quant à moi, dans la possibilité de supporter ses fantaisies et dans la crainte de subir sa violence, j'ai renoncé à le représenter comme je le faisais pour son oncle. Cette brillante journaliste que nous avons citée comme témoin vous dira qu'il a interrompu le trafic pour donner des beignets à un pauvre cheval de fiacre. Nous avons des photos à l'appui de ce que nous avançons. Une autre photo montre M. Dietz en train de bondir sur une voiture de pompier. Il est difficile de croire qu'il s'agit là d'un acte normal et que l'on peut confier sans arrière-pensée des millions de dollars à un homme qui agit de cette façon. L'auteur de cet article, une femme dont l'intelligence et l'intégrité ne sont niées par personne dans le journalisme, l'estimait si peu qu'elle l'avait affublé d'un surnom, le Cendrillon mâle. Des témoins qui viennent de Mandrake Falls, sa ville natale, vous diront comment il s'est conduit durant toute sa vie. Vous aurez ainsi la preuve que son dérangement n'est ni récent, ni temporaire. D'autres vous raconteront son comportement singulier quand il a invité à une réception les personnalités du monde musical, puis il les a mises à la porte sans le moindre égard. Jamais personne ne m'avait traité ainsi. Voilà peu de temps. On l'a placé en observation dans un hôpital. Mais il a refusé de se faire examiner par les trois psychiatres chargés de le faire. Puis il s'est livré à une véritable agression contre eux. Et en cette période où la nation est perturbée par une économie difficile et court le danger mortel de connaître des conflits sociaux, la publication de ce plan aussi enfantin que totalement irréalisable qui a été inventé par le défendeur est capable de fomenter des troubles qui ne permettraient pas au pays de se rétablir. C'est notre devoir de l'en empêcher. Notre gouvernement est bien averti de ces difficultés. Il saura prendre les dispositions économiques qu'il faut sans recourir à l'assistance de M. Dietz ou d'un autre utopiste. Cette tentative doit donc être attribuée à un cerveau malade dont les agissements prouvent qu'il est atteint de la folie des grandeurs et qu'il rêve d'être considéré comme un bienfaiteur de l'humanité. Votre honneur, je voudrais maintenant demander que vienne témoigner Miss Louise B. Bennett. Miss Bennett, venez s'il vous plaît. Levez la main droite, je vous prie. Jurez-vous solennellement que tout ce que vous direz devant cette cour sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure. Quels sont vos noms et prénoms? Louise Bennett. Prenez place. Miss Bennett, êtes-vous employée par le Morning Mail? Je vous prierai de faire attention à ce que je dis. Votre honneur, ceci est ridicule. Veuillez répondre à la question. Toute cette audience est ridicule. Cet homme n'est pas plus aliéné que vous l'êtes. Votre honneur! C'est évident, c'est un coup monté par ces gens qui essaient de se débarrasser d'un homme qu'ils n'ont pas pu voler autant qu'ils le voulaient. Votre honneur, Miss Bennett, encore une parole de ce genre et je vous fais arrêter sur le champ. Peu nous importe votre opinion sur le bien fondé de cette affaire. Vous n'êtes ici qu'un témoin. Asseyez-vous et répondez. Poursuivez. Je vous remercie, votre honneur. Êtes-vous employé par le Morning Mail? Non. Vous avez prêté serment, je vous le demande encore, êtes-vous employé par le Morning Mail? Non, je suis partie il y a une semaine. Bien, mais auparavant, vous étiez bien employé par ce journal? Oui. Est-ce qu'on ne vous avait pas chargé de suivre Longfellow Dietz? Si. Avez-vous par la suite écrit une série d'articles sur ce qu'il faisait? Oui. Ce sont là vos articles? Oui. Étiez-vous présente lorsque ces choses se sont produites? Oui. Et sont-elles vraies? Non. Mais elles se sont produites. On les a arrangées pour que le public rigole. Elles se sont bien produites. Oui, mais... C'est tout, Miss Bennett. Ce serait trop facile, tout, je dois vous expliquer. Je verse ces articles comme c'est la condition. Il faut que je parle.
À quel genre d'audience est-ce qu'on assiste? Est-ce que vous cherchez à le persécuter ou quoi? S'il n'assure pas sa défense, il faut bien que quelqu'un s'en Miss charge. Miss Bennet, je vous prie. J'ai le droit de me faire entendre. J'ai assisté des dizaines de fois à de telles audiences. Le plus souvent, elles sont menées sans formalisme. N'importe qui a la parole. Mon opinion vaut celle de ce charlatan de psychiatre. Je le connais mieux qu'ils ne le connaissent. Miss Bennet, voulez-vous bien vous taire? Je dois vous informer qu'à la prochaine incartade, je vous ferai arrêter séance tenante. Je veux bien entendre tous ceux qui ont quelque chose à dire, mais je ne veux pas de désordre. Quand vous aurez montré du respect pour cette cour, vous parlerez. En attendant, vous ferez bien de vous asseoir et de vous calmer. Par ici, miss. Silence, silence. Monsieur Dietz, avez-vous quelque chose à dire en réponse à ces articles ? Monsieur Dietz. A versé au dossier comme pièce à conviction. Oui, votre honneur. Poursuivez. Et elles sont si timides qu'elles veulent comparaître ensemble. Si la cour le permet, elles ne feront qu'un seul témoin. Oui, oui, qu'il en soit ainsi. Votre nom, s'il vous plaît ? Jane Faulkner. Voici ma sœur, Amy. Oui, Amy. Je poserai mes questions à vous, Miss Jane. Répondez pour vous deux. Connaissez-vous bien Monsieur Longfellow Deeds ? Oh oui, oui, bien sûr qu'on le connaît bien. Depuis combien de temps ? Nous l'avons vu naître. Oui, Elsa Taggart était la sage-femme. Il est né avant terme, ce bébé. Merci, c'est très intéressant. L'avez-vous vu souvent depuis ? Presque tous les jours. Deux fois le plus souvent. Peut-on éviter l'écho ? Répondez donc toute seule, Miss Jane. Pouvez-vous nous dire ce que tout le monde chez vous pense de Longfellow Deeds ? On pense qu'il est pitiatique. Oh oui, pitiatique. Il est quoi ? Qu'avez-vous dit qu'il était ? Pitiatique. Voici un mot qui est très peu usuel, Miss Jane. Veuillez dire à la cour ce que vous entendez par là. Il faut que je vous l'explique, votre honneur. Le mot pitiatique est quelquefois utilisé par les psychiatres pour définir certains types de dérangements. Je ne sais pas où ces dames ont appris ce terme. On dirait en langue courante que cet homme est une sorte de maboule. Ah. Est-ce exact ? Qu'est-ce qui fait que tout le monde pense qu'il est pitiatique ? Est-ce qu'il se comporte curieusement ? Il marche sous la pluie, flâne la tête et il se parle à lui-même. Quelquefois, il sifflote. Et il chante. Et rien d'autre ? Il a donné des coups à Charles Dillon, il l'a frappé dur. Cassé deux dents. Pourquoi ? Pas de raison, est-ce que je crois ? Il le fait souvent. On s'enferme chez nous quand on le voit qui s'approche. Jamais on peut savoir ce qu'il va faire. C'est sûr qu'il est psychiatrique. Oh oui, il est psychiatrique, c'est certain. Mesdames, je vous remercie. Ils cessaient pas de crier « Vive la nature, vive la nature !» Ben, ils avaient l'air inoffensifs, si bien que je les ai ramenés à la maison. J'aurais pas cru qu'il était cinglé. Je suis maître d'hôtel. Il me demandait que je lui montre des célébrités. Qu'est-ce que je vois quand je suis revenu de la cuisine quelques minutes plus tard? Ce gars qui frappait comme une vraie brute. Je ne me figurais pas qu'il cherchait des histoires. Il nous a littéralement expulsés. Il nous a poussés dehors. On était engagés comme garde du corps. Et ben le premier soir qu'on devait sortir, il nous verrouille dans une pièce et v'là qu'il se tire. Supposez qu'on laisse faire ça. Dans la profession, on aurait bonne mine. Alors j'ai dit à mon partenaire, on part. Ce gars-là, il est dingue. Je l'aime beaucoup, ma Clara, monsieur. Elle est très douce. Et quand ce Pékin a voulu lui offrir un tas de beignets, j'y ai dit à l'avance, faites gaffe à ce que vous faites. Faites gaffe, que je vous dis. Ah, oh, bien sûr que ça ne me gênait pas, mais Clara, depuis, elle veut plus manger que des beignets. Et maintenant, votre honneur, je fais appeler le docteur Emil von Holler. Il a bien voulu exposer son point de vue à la cour. Le docteur von Holler, vous le savez, est un éminent docteur en psychiatrie, probablement l'autorité la plus haute dans ce domaine. Actuellement, il fait une tournée de conférences et nous apporte gracieusement son concours. Docteur von Holler. Docteur von Holler. Jurez-vous solennellement que tout ce que vous direz devant cette cour sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Mon nom et prénom, je vous prie. Emil von Holler. Prenez place.
Eh bien, docteur von Holler, veuillez dire à la cour ce que vous pensez de cette affaire. C'est typiquement un cas de dépression maniaque. Dans des cas de ce genre, les malades vivent souvent de longues années avant que la maladie se révèle. Certainement, vous vous rappelez que mes ouvrages en apportent de nombreux exemples. Mm-hmm. Tout spécialement celui de ce jeune noble, vous vous en souvenez? Ah oui, oui, bien sûr, docteur von Holler, c'est passionnant. Il fait beaucoup penser à ce jeune homme, n'est-ce pas? Ah. Il faut du temps pour s'en rendre compte, parce que leurs humeurs changent si souvent et sans prévenir. Maintenant, votre honneur, puis-je essayer de montrer un graphique? Bien entendu. En bas ici, c'est un état d'extrême dépression, de mélancolie, où vivre paraît difficile et qui souvent tourne à la violence. Passer cette humeur, la dépression maniaque peut, par degrés, se changer jusqu'à ce qu'elle évolue vers cette phase. Voici la lucidité. Le patient est tout à fait normal, aussi normal que vous ou moi. Supposez, bien sûr, que vous soyez normaux. Puis, l'humeur change encore, jusqu'à ce qu'elle évolue vers cette phase, un état de très haute exaltation. À cette étape, tout va bien. Ici, le monde est magnifique. Ici, tout est si exaltant. Quelle est donc l'expression? Il est prêt à vous offrir sa chemise. Docteur von Holler, ce que vous décrivez s'applique-t-il à M. Deeds? Les symptômes sont évidents. Quand il était ici, au sommet de la courbe, il se montrait plein de gentillesse et d'affection envers ses semblables. Il voulait qu'ils se rassemblent et a décidé de donner une réception. Mais depuis un moment, son humeur avait changé. Il se trouvait à nouveau dans le creux de la vague, dépression, mélancolie. Et quand les invités arrivent, il les met à la porte. Ils sont devenus des ennemis imaginaires. Je vois d'autres exemples. L'exaltation, quand il joue du tuba, quand il fait de la poésie, quand il veut lutter contre l'incendie dans son désir d'aider l'humanité. Quel contraste avec son humeur actuelle. Il est tombé si bas que même l'instinct de conservation lui fait défaut. Achtermannsfrucht, votre honneur, c'est sans contestation un cas de dépression maniaque. Je vous remercie, docteur von Holler. Votre honneur, c'est tout. Pas vous laisser faire, enfin. Ça vous est égal qu'on vous roule? À mon avis, la cause est entendue. Il s'aborde. Je vais essayer une fois encore. Monsieur Dietz, avant que la cour prenne sa décision, vous êtes sûr de n'avoir rien à nous dire? Ne soyez pas stupide. Le seul fait qu'il n'ouvre pas la bouche en est la preuve. Oui. Il faut l'interner. C'est bien votre avis? Oui, absolument. Très bien. Monsieur Dietz, après avoir entendu de nombreux témoignages, en raison de votre silence, et sur la recommandation des médecins, la cour considère qu'il est préférable, dans votre intérêt même, que vous demeuriez pour le temps qui sera nécessaire dans une clinique spécialisée. Vous avez besoin de soins médicaux permanents. Peut-être plus tard pourra-t-on... Non, non! Ce n'est pas possible de laisser faire ça. Il faut qu'il accepte de s'expliquer. Votre honneur, c'est intolérable. Oh, voyons, parlez. Je suis responsable de votre état. Je sais combien je vous ai fait du mal. Votre honneur, je m'oppose. Même si vous ne voulez plus me revoir, parlez, je vous Miss en Bennett, prie. Miss Bennett, vous n'avez pas la parole. Vous aviez dit que je pourrais parler si je me montrais raisonnable. Je suis raisonnable. Permettez-moi d'être témoin de la défense. Il faut qu'il s'exprime, qu'il se défende avant que vous prononciez une sentence. Très bien, on vous écoute. Je vous remercie. Votre honneur, ce qu'elle a à dire n'a pas d'intérêt. Je m'y oppose. Laissez-la parler. Je sais pourquoi il ne veut pas se défendre. Peut-être que ça vous gêne de l'entendre, mais on l'a blessé. Il a été blessé
profondément depuis son arrivée. Par moi, la première, il a été victime de tout ce que cette ville compte d'escrocs. Les journaux l'ont pris pour cible, ils se sont acharnés à le rendre ridicule. Et moi, j'ai été encore plus maligne, j'ai su, en gagnant sa confiance, avoir de quoi faire rire. Mieux aurait-il valu qu'il se taise. Chaque fois qu'il me disait quelque chose, on le déformait pour que ça paraisse imbécile. Oui, c'était très bien ficelé, on en a fait des gorges chaudes. J'ai montré un incomparable sens de l'humour. Mais votre honneur, ça ne tient pas debout. C'est sûr, j'ai écrit tous ces articles qui devaient me valoir un mois de vacances. Mais je n'ai pas pu continuer quand j'ai vu quel homme il était vraiment, quand j'ai réalisé combien il était franc. Il ne sera jamais en mesure de se satisfaire de ce monde pourri parce qu'il est honnête et sincère et bon. Si cet homme est fou, votre honneur, la camisole de force s'impose pour tous les votre autres. Votre honneur, c'est absurde, cette femme est amoureuse de toute évidence. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Mais vous êtes amoureuse, avouez-le. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. Oui, non, êtes-vous amoureuse? Oui. Votre honneur, ce témoignage perd toute valeur. Pourquoi veut-elle le défendre? Elle est mue par un instinct bien féminin, l'instinct de défendre les faibles. J'admets que ce garçon provoque l'attachement. J'ai ressenti une véritable affection pour lui, mais il ne faut pas croire cependant... Quand je bavarde, on aura fini, votre honneur, je voudrais confirmer ce que Miss Bennett a dit. Je suis son directeur. Quand elle a quitté son travail, elle m'a dit qu'il était formidable, ce gars. Et moi, je la crois sur parole. Si vous avez quelque chose à dire, vous le direz plus tard. Oh, je vous ai déjà tout dit, votre honneur. Fallait que je vienne mettre mon grain de sel. Faites pas le crétin, vieux, levez-vous et allez-y à fond. Votre honneur, j'ai moi aussi mon grain de sel à ajouter. Asseyez-vous. Cet homme, je ne l'ai pas lâché depuis son arrivée à New York. Asseyez-vous. Je n'admettrai pas d'autres interruptions. Quoi pensez-vous, monsieur Deeds? Oui, vous nous oubliez, monsieur Deeds. Silence, silence. On va crever de faim si on ne fait rien. C'est une cabale, faut pas nous laisser tomber. Faites-les taire. Silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Alors, du calme, du silence. Dans l'intérêt de M. Dietz, la cour a supporté un grand nombre d'irrégularités. Mais à la prochaine interruption, je fais évacuer la salle. Votre honneur. Oui. Je voudrais moi aussi apporter mon grain de sel. Très bien, allez prendre place. Allez vous asseoir. Parlez. Eh bien, je ne sais par où commencer après les multiples choses qu'on a dites à mon sujet. On m'a reproché mon goût du tuba. On a bâti un tas d'hypothèses qui ne mènent nulle part. Si on vous croit fou juste parce que vous jouez du tuba, il faudrait prendre garde parce que tous ceux qui jouent du tuba pourraient se retrouver à l'asile. Pourtant, je me crois assez normal. Je fais de la musique quand j'ai envie de me concentrer. Ça peut sembler bizarre à pas mal de gens, mais qui n'a pas des habitudes plus ou moins conscientes? Voyez le juge. Sait-il qu'il est un remplisseur de eau? Un quoi? Un remplisseur de eau. Vous avez rempli de crayons les espaces en forme de eau, je vous ai observé. Vous pourriez passer pour un type bizarre, votre honneur, quand vous siégez en remplissant des hauts, mais je n'y vois rien de mal, si cela vous aide à penser. Il y en a beaucoup qui sont des griffonneurs. Griffonneurs? Oui, c'est comme cela que j'appelle ceux qui font des barbouillages, d'extravagants dessins sur le papier sans s'en rendre compte, c'est ça, griffonner. Presque tout le monde est griffonneur. Vous-même avez déjà certainement vu dans les téléphones publics ces absurdes gribouillis que les gens exécutent sans réfléchir. Le docteur Von Holler, très probablement, nommerait cela d'un nom savant, car lui-même est presque tout le temps en train de griffonner. Merci. Voici le morceau de papier qu'il gribouillait. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air de représenter un chimpanzé, et l'instant d'après, on croirait que c'est Monsieur Sénard. Regardez, monsieur le juge. Document à verser pour la défense. Oui, certains peuvent juger cela stupide, votre honneur, mais j'estime que c'est le droit du docteur Von Holler de griffonner si cela lui permet de penser. Tout le monde a des manies différentes. Il y a par exemple ceux qui se pincent l'oreille, d'autres se rongent les ongles. Il y a ce monsieur Simple là-bas qui ne cesse de renifler. «
et la dame à côté de lui fait craquer ses doigts. Vous le voyez, chacun fait des choses singulières qui l'aident à penser. Moi, je joue du tuba. Chouette de plaidoirie. Non, silence. Cette audience tourne à la plaisanterie. Je demande que M. Deeds se dispense de telles remarques et se borne à présenter des faits. Qu'il nous explique ses vagabondages dans les rues sans aucun vêtement et pourquoi il a offert des beignets à un cheval. Je vous en prie. Poursuivez, M. Deeds. M. Sédar a raison. Ce que j'ai fait a l'air extravagant. Mais à dire la vérité, votre honneur, je ne me rappelle plus rien. Je ne nie pas que cela se soit produit, parce que je ne pense pas qu'un policier mentirait dans le service. Mais j'avais bu. C'est la première fois de ma vie que j'étais vraiment ivre. Cela vous est probablement déjà arrivé. Je veux dire quand vous étiez jeune, bien sûr. Je suppose que n'importe qui en a fait l'expérience. Tenez, l'autre matin, j'ai lu ce que le propre fils de M. Sédar avait fait. Ce jour-là, il était ivre, il a voulu conduire un taxi alors que le chauffeur était à l'intérieur. Est-ce exact, M. Sédar? Est-ce exact, oui ou non? Votre honneur, je proteste. Poursuivez. Maintenant, occupons-nous des sœurs Faulkner. C'est assez bizarre. Il me semble étrange que M. Sédar se soit déplacé en Mandrake Falls afin de les ramener. Vous permettez que je leur parle? Certainement. Jane, à qui appartient la maison que vous habitez? Mais elle est à vous, Longfellow. Oui, c'est la vôtre. Vous payez un loyer? Non, nous n'en payons pas. Juste ciel, non. On n'a jamais payé de loyer. Et vous êtes bien, là? Oh oui. Oh oui, c'est sûr. Voyons. Jane, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais pitiatique. Vous le pensez toujours? Mais vous l'êtes depuis l'enfance, pitiatique, Longfellow. Depuis l'enfance? Très bien. De fait, c'est bien possible. Maintenant, dites-moi quelque chose, Jane. Qui d'autre à Mandrake Falls est pitiatique? Mais tout le monde à Mandrake Falls est pitiatique, excepté nous. Une dernière question, votre honneur. Vous voyez le juge qui est là, c'est un homme sérieux. Croyez-vous qu'il soit pitiatique? Oh oui. Oh oui, il l'est. Monsieur Deeds, vous n'avez encore rien dit sur le point le plus important. C'est plutôt fantastique, cette idée de faire cadeau de la totalité de votre fortune. C'est pour le moins bien inhabituel. Ah oui, oui, j'en venais à ce point, votre honneur. Supposons que vous habitiez une petite ville, et que tout aille bien, et que tout d'un coup, on fasse tomber 50 millions de dollars sur votre tête. Supposez que vous découvriez qu'avec ce pactole, vous détruisez votre vie, que vous voyez un tas de vautours tourner autour de vous. Vous perdriez confiance en tout le monde, vous pourriez vous poser des questions, vous auriez l'impression que cet argent vous brûle les doigts, vous n'en voudriez plus. Je crois que le docteur von Holler exposerait que vous êtes au creux de la vague parce que vous cherchez à vous débarrasser de ce qui vous brûle les doigts. Si cet homme avait le moyen de réaliser ses projets, des répercussions pourraient se produire qui ébranleraient les fondements du gouvernement de notre pays. Je vous en prie, monsieur Sédar. Poursuivez, monsieur Deeds. Par quoi monsieur Sédar justifie-t-il son emportement? Sauf erreur, dans n'importe quel système de gouvernement, il y en aura toujours pour prendre la tête et d'autres pour les suivre. Sur la route qui passe devant chez moi, il y a une côte assez raide. Chaque jour, j'observe les voitures qui la grimpent. Il y en a qui foncent à pleine vitesse et d'autres sont obligés de passer en seconde. Il y en a même qui tout sautent, crachotent et se retrouvent en bas de la côte. Mêmes autos, même essence, et pourtant le résultat diffère. Et je dis au chauffeur qui grimpe la côte à l'aise qu'il devrait donner un coup de main à ceux qui calent. C'est ce que je veux essayer de faire avec mon argent, aider ceux qui n'arrivent pas à monter la côte. Qu'est-ce que M. Sédar espère me voir en faire? Le lui remettre à lui ou bien à d'autres nantis? Si vous le permettez, votre honneur, je vais aller au sommet de la courbe une minute. Et vous, les amis qui êtes ici, ceux qui ont demandé une ferme, allons, debout!
Eh bien, vous les voyez, tous ceux que je veux aider et qui en ont besoin. Monsieur Cédar et Monsieur Simple, qui sont des nantis, n'en ont pas besoin. Si j'étais à bord d'un bateau et que je vois un type dans une barque fatigué de ramer et qui voudrait qu'on le tire, et un autre en train de se noyer, qui croyez-vous que je voudrais sauver? Monsieur Cédar, qui est juste fatigué de ramer et qui demande qu'on le tire, ou ces hommes qui sont en train de se noyer? Un enfant de 10 ans saurait répondre à la question. Merci, mes amis, vous pouvez vous asseoir. Mon plan est vraiment très simple. Je veux donner à chaque famille 5 hectares, un cheval, une vache et des semences, et qu'après 3 ans, la ferme devienne leur propriété. Maintenant, si je suis fou, il faut peut-être m'envoyer dans un asile. Mais je ne crois pas l'être. Et qui plus est, Monsieur Cédar non plus. Juste avant que l'audience ne débute, il a offert de retirer sa plainte si j'acceptais un règlement à l'amiable. Vous le voyez, il ne me traiterait plus de fou s'il en tirait profit. C'est un mensonge. Monsieur Cédar, imagination. Je n'ai jamais entendu une aussi colossale stupidité de ma vie. C'est une insulte à notre intelligence de nous faire écouter ces sornettes et ces enfants de Je vous prie de permettre à Monsieur Dietz de finir. Mais enfin, votre honneur. Monsieur Cédar. Rien à ajouter, Monsieur Dietz? Non. Si. J'ai sur le cœur quelque chose dont je voudrais me débarrasser avant de finir. Poursuivez. Merci, votre honneur. Silence dans la salle! Silence! 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 Mesdames et messieurs, restez assis. L'audience va reprendre. Avant que la cour annonce sa décision, je dois avertir toute l'assistance que la police a l'ordre d'arrêter quiconque provoquerait des troubles. Monsieur Dietz, nous avons entendu un grand nombre de témoignages contre vous. Votre comportement a été, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt étrange. Mais l'opinion de la cour est que vous êtes tout à fait sain d'esprit. Je dirais l'esprit le plus sain que cette cour ait entendu. Affaire classée. Tu vas cesser de renifler, idiot ! Je le savais qu'on perdrait. Aucun doute là-dessus.